Salut à tous, bienvenue sur Web Girondin Télé, le grand angle. On est en direct en ce jeudi soir pour à peu près 1h30. Gros programme ce soir avec le 11 titulaire. Et je vais commencer par ça, par saluer nos trois invités qui sont avec nous. On commence avec notre ami Philippe. Comment ça va, Philippe ? Ça va, Antoine, bonsoir à tout le monde. Mais ça va, tranquille. L'influenceur, j'ai envie de t'appeler comme ça. Bon, merci, Antoine. On va pas commencer avec les private jokes parce que sinon on va perdre de l'audimat. Mais bon, on est ravis de t'avoir. Philippe, il y a du gros programme pour toi, notamment ce soir. On va parler Yacine Adli. Je pense que ça va être. Voilà, ça va nous prendre pas mal de temps. Il y a de quoi dire, exactement. On va partager le programme dans un instant. On a également Thibaut qui est avec nous, qui était il y a quelques instants sur ARL, si je ne me trompe pas. Comment ça va, Thibaut ? Exactement, bonsoir à tous. Ça va très bien, toujours là. Voilà, exactement. On est ravis de t'avoir, hein. Tu fais partie de la team. Oui. Maintenant, on va parler des filles avec toi ce soir, mais tu vas aussi rester avec nous pendant l'ensemble de l'émission pour également, en plus de parler d'Adli, parler du match contre le PSG de samedi soir. Et enfin, oui. Patrick Gomez, bien sûr, est également le numéro 10. Le numéro 10, également. Quoique, hein, peut-être qu'il va changer, parce qu'il y a eu quand même une augmentation, je pense, en tout cas, hein, c'est mes estimations, au moins de 800% ou 900% au niveau des ventes de maillots de Jimmy Briand cette semaine. Hein, c'est ce que j'imagine. Ouais. Patrick, comment ça va ? Salut à tous, ça va très bien. Moi, je n'achèterai pas le maillot de Jimmy Briand parce que je ne fais plus floquer mes maillots vu qu'il n'y a plus d'attachement de joueurs qui sont attachés vraiment à un club. Donc, Jimmy Briand n'est pas attaché au club, du coup, c'est ce que tu es en train de nous dire ? Ouais, pas plus que quand jusqu'à la fin de son contrat, quoi. Mais comme tous les autres, hein, ce n'est pas un reproche à Jimmy Briand. Exact. Bon, en tout cas, eh bien, on vous salue également sur le chat. Vous êtes en train de vous connecter petit à petit. Je vois Grégory, je vois Anthony, je vois Charlie. On salue les sociaux, bien sûr les sociaux. D'ailleurs, tiens, petit mot, vous savez qu'il y a le repas des sociaux, hein, toutes les infos sont sur la page Tipeee par rapport à ça. Pensez à faire votre réservation avant le 13 novembre. Voilà, toutes ces informations donc, sont à retrouver sur la page Tipeee. En dehors de cela, bah, qu'est-ce que je peux faire ? C'est bah, tout de suite partager le programme de cette émission. Du coup, je le disais il y a quelques instants, on va parler des filles, on va travailler un petit peu notre prononciation, encore une fois, après Svava et après d'autres joueuses avec lesquelles on a du mal à prononcer les noms. On va avoir Folkertsma. Est-ce que je prononce bien? Honnêtement, je ne suis pas sûr, hein, Patrick. Hein. Très bien. Folkertsma, ouais. Ça va? Bon, c'est pas mal. On va faire un focus, hein, mais pas que sur elle, bien sûr. On va revenir aussi sur le match contre Guingamp la semaine dernière, la victoire 3-0. On va revenir également sur le coach Patrice Lhaire. Hein. Décidément, à chaque fois, ça revient. Mais voilà, il y a un petit changement, peut-être, en termes de communication, d'attitude. On va essayer de décrypter ça avec vous, messieurs. Et puis, Philippe, hein, tu nous apporteras aussi ton point de vue sur ce point-là. Ça sera intéressant. Yacine Adli, Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Et Mr. Hyde. Voilà, hein, on a un très bon Yacine Adli de temps en temps. Et puis, on a un joueur qui passe parfois à côté de ses matchs. En gros, il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit. Est-ce qu'il s'agit d'un diamant à polir, une illusion ? Est-ce qu'il a le niveau pour s'imposer au Milan AC également l'an prochain, quand il partira ? Est-ce qu'il a une grosse marge de progression ? Voilà, ça va être un gros focus. On a pas mal d'insights, même je dirais, à partager avec vous. Et enfin, on finira cette émission, bien sûr, avec Bordeaux-PSG sous l'angle tactique. Il y a des infos aussi qui sont tombées aujourd'hui, avec notamment le forfait de Kimpembe. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Je veux dire, si on regarde le match d'ailleurs, PSG Leipzig, honnêtement, Kimpembe n'était vraiment pas en grande forme. Pas en grande forme depuis un certain moment d'ailleurs, hein, Kimpembe. Enfin bon, on y reviendra donc en fin d'émission. Donc vous voyez, messieurs, le programme est quand même assez dense. Et on va relayer, bien sûr, tous vos messages. Tiens, regarde, on commence avec celui-ci. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Hein. Quelle voix tu as, Philippe? Ouais. C'est pas la Saint-Philippe? Non, c'est Armé. C'est Armé, là, Saint-Philippe. Je vais vous laisser, messieurs. Bonne soirée. Non, mais voilà, il y en a d'autres, bien sûr. Sébastien qui nous dit, tiens, comment douter d'Adli? Ben voilà, mais c'est ça qu'on veut, hein, c'est avoir des avis qui divergent. J'en ai pas là ce soir pour faire le procès de Yacine Adli, hein. Attention, hein. Je pense que dans l'ensemble, c'est ce que
c'est ce qui reviendra très certainement, c'est qu'on attend beaucoup d'Ali parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et donc, on est peut-être un petit peu plus exigeant avec lui. On salue Ben également qui est là. Et puis, ce que je vous propose, messieurs, c'est de lancer tout de suite cette émission avec la page féminine. C'est parti. La page féminine, du coup, on peut déjà commencer par un retour sur cette victoire 3-0 contre Guingamp. Avec des buts de Garbino, de Lavogé et de Snoij. Tiens, je vais commencer avec toi, Thibaut. Quels sont tes enseignements de cette victoire du week-end dernier ? Bah, plutôt soulagé, hein, parce que c'est vrai qu'on restait sur une grosse défaite concédée face à Reims. 5-2, battu dans le jeu, battu dans les points, battu, sèchement battu. Avec une équipe au bord de la crise de nerfs et un entraîneur qui déjà menaçait de claquer la porte ou menaçait de se faire virer, ça c'est selon de quel côté on se place. Donc une équipe qui a eu 15 jours pour travailler malgré beaucoup d'internationales parties. Et puis finalement face à Guingamp, après un début de match un petit peu compliqué parce que les Guingampais ont pressé haut et ont essayé d'étouffer Bordeaux. Eh bien, notre équipe a su répondre. C'est facilité la tâche par des repositionnements tactiques qui ont fait, pour moi, beaucoup de bien à l'équipe. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et surtout par une efficacité retrouvée. Voilà. Et des joueuses qui ont, on va dire, retrouvé un collectif un peu plus consistant. Et surtout avec un coach qui a peut-être... Je reste prudent hein, parce que ça reste qu'un match, mais retrouver, on va dire, une manière de parler à son groupe. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant, mais ça reste quand même évidemment à confirmer. Ok, Patrick, tes enseignements de cette rencontre, tu y étais ? Oui, bien sûr, comme à tous les matchs. Après la déroute face à Reims, il fallait réagir. Il y avait deux petites surprises dès le départ avec la première, c'était la titularisation de Charlotte Bilbao en défense centrale, même si on sait qu'elle peut le faire. Ce n'est pas forcément son poste de prédilection, même si moi, j'aime beaucoup quand elle joue à ce poste-là. Ce n'est pas ce qu'elle préfère et c'est vrai qu'elle apporte tellement au milieu que c'est bien qu'elle y soit aussi. Et surtout, le retrait du Brassard à Charlotte qui est passé à Andrea Lardès, qui est on a coutume de dire la légende, même si elle n'aime pas ça, mais qui est une historique du club et qui est une joueuse de devoir et une joueuse talentueuse. Donc elle était capitaine pour ce match, qui s'est bien passé. Hein. Moi, j'ai vu le message de Ben. Moi, j'ai pas trouvé l'équipe brouillonne. On était ensemble en plus avec Ben, mais une équipe qui a maîtrisé. Alors le premier quart d'heure a été difficile avec Guingamp qui a mis énormément de pression. Il y a un petit miracle, il y a deux petits miracles de Mylène Chavas sur un contre un qu'elle gagne avec une frappe au premier poteau qu'elle gagne et sur le corner, elle repousse un ballon sur un réflexe énorme. Ça revient sur son poteau. Ça lui revient dans les gants, on ne sait pas trop comment, et puis de là, ça a déroulé. Ouais, voilà, ça longe la ligne. Donc après, voilà, il y a eu une grosse maîtrise, vraiment. Elles ont totalement étouffé cette équipe de Guingamp. Ça a été récompensé par le but de Maëlle Garbino sur une passe de Claire Lavogé qui s'est arrachée pour récupérer le ballon après un travail extraordinaire de Folkersma. Donc voilà, super travail. Deuxième but, c'est une ouverture d'Ella Palis qui arrive sur Katia Snoij qui lance peut-être un peu involontairement, mais ça compte quand même. Claire Lavogé qui gagne son duel face à la gardienne. D'ailleurs, passeuse. J'ai vu sur l'excellent site Scap Girondine que Katia Snoij était, alors je crois, égalité, mais meilleure passeuse de D1 Arkema. Donc c'est une très bonne chose. Et ensuite, elle a conclu en deuxième mi-temps un joli mouvement où Julie Dufour s'est arrachée pour lui pousser le ballon et elle a mis au fond et ça faisait 3-0. Sur ce match, s'il y en a 4, 5, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'elles ont vraiment, vraiment dominé. Guingamp a été inexistant. Les Guingampaises vont un petit peu souffrir cette saison. Donc voilà, un match plein, des bonnes bases, rien à dire. Et c'était important parce que le prochain déplacement, c'est le 19 novembre. Et c'est au Paris FC. Donc, gros match. En compte capital. Ouais. Tiens, Philippe, je voudrais te mettre à contribution parce que Patrick évoquait justement ce changement de brassard il y a un instant.
Moi, je trouve pas ça forcément anodin. Qu'est-ce que ça peut signifier et quel impact ça peut avoir auprès du groupe ou auprès des joueuses en question, Bilbo et Lardez? Bon, de toute façon, l'air, il fallait qu'il fasse des choses, il fallait qu'il bouge certaines lignes dans son groupe. On avait vu le match avant dans son discours que ça avait l'air très perturbé en interne, sans pour autant, en tout cas moi, de ce que j'ai pu entendre, qu'on ait vraiment des infos. Voilà, aujourd'hui, Lardez, c'est un peu l'historique du club, quoi. C'est peut-être un message à faire passer, en gros, qu'il n'y a pas de statut dans ce groupe-là. Aujourd'hui, Bilbo, si je dis pas de bêtises, elle avait même été capitaine de l'équipe de France quand Renard était pas là. Donc finalement, même la capitaine de l'équipe de France n'a pas de statut dans ce groupe-là. Peut-être qu'il a voulu passer des messages dans ce sens-là, mais sans peut-être pour remettre en cause le rôle de Charlotte Bilbo, mais juste à un moment donné, en voulant faire passer d'autres messages aussi, en responsabilisant des filles, parce que Lardez, c'est une latérale, et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un poste sur lequel le club souffre, notamment depuis la blessure de Delphine Châtelain, c'est ce poste de latérale. Donc voilà, il responsabilise d'autres joueuses. Est-ce que c'est sur un coup pour lui signifier ça? Est-ce que ça sera dans le temps à voir? Voilà, lui, il est dans son management de groupe et il faut pas oublier que aujourd'hui il y a que 3 mois de vie commune, et donc petit à petit, les uns les autres apprennent à se connaître, à vivre ensemble, et voilà. Après, il fait des choix, c'est son rôle. Ça gagne, ça match, tant mieux. Si ça avait perdu et que c'était mal passé, mais il l'aurait pris dans la face. Donc, c'est un peu le rôle du coach dans ces cas-là. Ouais, c'est un peu un quitte au double. Même si là, quand même, je pense que l'impact est un petit peu plus relatif que peut-être certains autres choix. Ok, merci pour cet éclairage en l'occurrence. Et j'ai envie juste de continuer du coup en partageant cette photo pour apporter un peu plus de visuel aussi et de voir de qui on parle. Parce que Patrick, tu voulais faire un focus justement sur Siskar, on va l'appeler comme ça, ça va être plus simple, je pense, qui a quand même un parcours intéressant avec une certaine expérience. Et qui apporte beaucoup à ce collectif girondin depuis le début de la saison. Ouais, c'est une joueuse que, bon, peut-être Thibaut en avait entendu parler, mais enfin, on ne la connaissait pas quand elle est arrivée au Girondin. Elle est arrivée de Twente, qui est un gros club des féminines en Hollande. C'est un club qui est titré, etc. Donc, elle n'arrivait pas de n'importe où. Elle a joué à l'Ajax. Enfin, bon. Donc, une joueuse déjà avec un bagage. Elle est arrivée, elle était déjà internationale, et donc elle a 24 ans, elle a signé pour 2 ans, donc elle n'est pas en fin de contrat, elle en 2022, contrairement à beaucoup. Pour moi, c'est vraiment la révélation de ce début de saison au milieu. Il y a beaucoup de talent, mais elle s'est imposée tout de suite. On n'a pas eu l'impression qu'il y avait eu une période d'adaptation alors qu'elle venait de faire des matchs internationaux, qu'elle avait joué avec la Hollande, donc... Et tout de suite, elle s'est mise dedans, et je pense qu'elle a ébloui tout le monde sur le match de Wolfsburg. Tous ceux qui étaient au stade se sont demandé un petit peu. Il y avait Wolfsburg, il y avait Soyo aussi, où elle avait été, mais c'était plus faible. Mais où tous ceux qui étaient au stade se demandaient un peu qui était cet extraterrestre, aussi technique, aussi important dans le jeu. Elle joue milieu axial, on va dire. Elle peut jouer dans un milieu à 2, à 3. Elle porte le numéro 8, donc voilà, c'est vraiment... Elle est capable de jouer dans ses systèmes, que ce soit milieu défensif ou box-to-box, comme on dit. Techniquement, c'est plus que propre, c'est vraiment une joueuse avec une qualité de passe, avec une vision du jeu qui est au-dessus de la moyenne. Elle n'a pas peur non plus d'aller au contact, elle met quelques tampons quand il faut, et elle a vraiment pas peur d'y aller. C'est une joueuse complète, elle est travailleuse, c'est vraiment, ça se voit, c'est une bosseuse, tu sens que c'est bon esprit dans le groupe, que c'est vite intégré, c'est vraiment un régal de la voir. Je sais que Patrice Lair l'aime beaucoup parce qu'on en avait parlé et qu'il trouve qu'elle a un talent énorme et que c'est vraiment une découverte parce que lui aussi la connaissait pas avant qu'elle arrive au Girondin, donc il lui donne de plus en plus de responsabilités aussi. Elle les prend. Elle a peut-être encore à progresser sur sa finition parce qu'elle a des occasions qu'elle pourrait mettre. Elle en a mis qu'un pour l'instant avec nous, mais elle aurait eu l'occasion d'en mettre 2-3 de plus, je pense, sans problème. Mais c'est vraiment... elle aurait été 10 à l'ancienne ou 8 d'aujourd'hui, quoi. Elle fait jouer les autres énormément. Elle sait garder le ballon. Enfin, ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle porte le numéro 8. Alors, toute proportion gardée, moi, ça me rappelle un certain Johan Mikou. Dans son style de jeu, voilà, si vous avez aimé Johan Mikou, venez à Saint-Germain, vous verrez Siska dans ses œuvres et vous me direz si vous ne trouvez pas qu'il y a une ressemblance dans l'élégance technique,
dans tout ça. Donc bon, je ne vais pas vous en parler des heures, et je pense que Thibaut a sûrement à dire là-dessus, mais vraiment, elle est super comme joueuse, et voilà, juste un peu facile de temps en temps, donc elle perd quelques ballons qu'elle ne devrait pas perdre, et elle se fait engueuler par le coach dans ces cas-là, mais une vraie belle joueuse à découvrir. Du coup, Thibaut, tu veux réagir sur la comparaison avec Yoann Micou? Tu vois quelque chose de similaire? Je te vois un petit peu... Ouais, moi, non, mais c'est vrai que c'est une joueuse qui est élégante, c'est une joueuse qui a du ballon, comme on dit, voilà, qui a réussi justement à nous faire oublier un petit peu Gutia Karchouni. Alors c'est pas forcément le même registre, mais c'est la même veine technique, on va dire, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Non, mais je vais pas paraphraser Patrick. C'est vrai que c'est une joueuse qui a une facilité et une aisance balle au pied, mais contrario, parfois elle joue un peu trop facile. Et moi, ça a tendance un peu à m'agacer parce qu'elle perd des ballons. Autant elle va aller porter des ballons, faire des gestes techniques, conserver des ballons difficiles, mais elle peut en perdre un facile et rater une passe à un mètre. Donc c'est ça qui est un peu frustrant parfois. Mais c'est une joueuse, alors je connaissais pas du tout, mais quand on se renseigne un petit peu, elle était suivie par des clubs, des gros clubs, notamment en France, hein, Lyon et le Paris Saint-Germain notamment. Elle a préféré venir à Bordeaux. Le savoir aussi, hein, c'est quand même plutôt valorisant pour nous. Hein. Mais ce sera plus le cas dans l'avenir. Pardon ? Ce sera plus forcément le cas dans l'avenir. Ouais, peut-être, mais pour l'instant, on va dire qu'on est toujours dans la course. Ouais. Mais voilà, mais c'est une joueuse qui est aussi jeune, qui a une marge de progression et qui surtout a tout intérêt à progresser chez nous pour s'imposer en équipe nationale. Parce que c'est son objectif aussi de s'imposer dans cette sélection des Pays-Bas. Elle a quand même gagné quelques titres en junior, ouais. En U14, je crois, elle est championne d'Europe, il me semble. Et en U19 aussi, ouais. Voilà. Mais c'est une joueuse de talent. Après, il faut juste qu'elle arrive à se canaliser un petit peu et à rester focus aussi dans sa concentration. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment un vrai gros coup de cœur et un vrai coup positif pour l'équipe. Voilà. Super. C'est une joueuse qui plaira à Philippe quand je sais qu'il est. Alors là, je charrie pas, mais je sais qu'il est très occupé avec son équipe aussi et qu'il ne peut pas voir tous les matchs des filles. Mais en tout cas, quand il aura l'occasion de pouvoir regarder un match, donc tu vois, Philippe, tu vas pouvoir regarder face au PFC parce que c'est un vendredi soir à 20h, je crois. 20h45, pardon. Il me semble. Si tu vas y arriver, Philippe, t'inquiète. Et c'est la Robert Pardo de Leganés. Tu l'avances, c'est toi le boss là-dessus. Non, mais c'est vraiment le genre de joueuse qui plaît, parce que c'est comme Claire Lavouger, c'est des joueuses qui sont et talentueuses et élégantes à avoir joué. Elles aiment le ballon. Maëlle Garbineau, c'est toutes ces joueuses-là qui nous font plaisir. Et vraiment, je voulais mettre en valeur cette joueuse parce qu'elle est arrivée, personne n'en a entendu parler, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, si ce n'est qu'elle était internationale. Et tu te rends compte aujourd'hui de tout le bien qu'elle fait au milieu et de tout ce qu'elle peut apporter. Et évidemment qu'elle a des axes de progrès. Mais elle est quand même très souvent titulaire avec les Pays-Bas, qui sont une des nations majeures du foot féminin mondial. 12 sélections, je crois, avec... C'est récent. C'est récent. Là, à chaque rassemblement, elle y est, elle joue. Elle joue à chaque fois au moins une heure sur... S'il y a les deux matchs, elle joue au moins une heure sur un des deux matchs. Donc voilà, c'est une joueuse sur qui il compte là-bas et nous aussi, on va compter sur elle. Et voilà, je pense qu'un Patrice Lair est en train de... Il a trouvé sa formule là, avec ce 3-5-2 là, qui fonctionne pour l'instant et qui apporte. Il a trouvé sa formule, je pense qu'il n'est pas loin d'avoir trouvé aussi son milieu. Il nous fait une feinte à chaque début de match, vous regarderez la prochaine fois à la télé, il commence en 4-4-2. Ou en 4-5-1, et puis au bout de 3 minutes, il repasse en 3-5-2. Toutes les joueuses. Je me suis laissé piéger aussi. Ouais. Bah, pareil. Malia Berki, elle commence toujours arrière-gauche, et puis tu te dis qu'est-ce qu'elles font positionner comme ça au bout de 5 minutes. Il dit rien et ça repart. Alors, justement, du coup, alors là, bon, on parle de l'aspect tactique, mais du coup, ça fait forcément écho au coach, à Patrice Lair. Ce que tu as un petit peu évoqué aussi, Patrick, il y a quelques instants, c'est aussi ce changement d'attitude de Patrice Lair sur le banc, dans potentiellement aussi ses déclarations d'après-match la dernière fois. Je le trouvais très très posé.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au final? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Comment on peut interpréter ça de notre côté? Thibaut, je te laisse peut-être réagir en premier du coup. Ouais, non, il s'est forcément passé quelque chose. On a senti. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être au stade, hein, puisque je suis loin de Bordeaux maintenant. Mais c'est vrai que à la télé, on le sentait beaucoup plus dans ce que j'appelle moi la communication positive par rapport à ce qu'il pouvait faire avant. C'est-à-dire, avant, il était vraiment. On le sentait très tendu, du Patrice Lair, quoi, ce qu'il a toujours fait, en fait. C'est-à-dire, vraiment très agressif. Il hurlait après ses joueuses, clairement. Et on sentait bien que ça passait pas avec ce groupe-là et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comprises ou mal perçues. Surtout de part la personne qui était là avant, au final. C'était oui, voilà, structure. C'est sûr que on passe de la chaleur espagnole à l'extrême froidure de la Sibérie. Donc c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai qu'il a adouci sa communication. Ça n'empêche pas d'être exigeant aussi, parce que ça, c'est une caractéristique de Patrice Lair. C'est quelqu'un qui est très exigeant dans les résultats et dans le travail quotidien durant la semaine. Mais il n'empêche qu'on l'a senti beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus dans les encouragements, beaucoup plus dans l'empathie en fait avec ses joueuses. Et je ne vais pas dire que c'est ça qui a permis à Bordeaux de gagner 3-0, mais on sent que les filles sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus libérées sur le terrain. Moi, je termine là-dessus. J'ai vu Ella Palice jouer contre Guingamp. On a retrouvé la Ella Palice qu'on avait quittée quand elle était sélectionnée à l'équipe de France avant sa blessure. Ouais. Une joueuse libérée, une joueuse qui n'hésitait pas à prendre des initiatives. Moi, c'est une joueuse que j'adore, Ella, parce que c'est une jeune joueuse qui a beaucoup de talent. Mais qui a besoin d'être, je vais pas dire câliné, mais qui a besoin qu'on l'entoure et qu'on la pousse un petit peu, sans être non plus partir trop dans des délires comme il a pu avoir en début de saison. Mais voilà. Et là, elle a donné, elle a joué, elle a distribué le jeu, elle a orienté, elle a pris ses responsabilités. Et je pense qu'il y a des joueuses qui ont besoin de ça. Et Patrice Lair l'a peut-être enfin compris. En tout cas, j'espère. Patrick, sur le changement d'attitude de Patrice Lair. Ouais, juste, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Par exemple, on est indulgent avec Vladimir Petkovic sur le temps, sur tout ça. Patrice Lair, il reprend une équipe dont l'entraîneur a quitté les Girondines du jour au lendemain quasiment, même si ça s'est préparé, etc. Mais il est parti. On était en train quand même à ce moment-là de jouer notre dernier match amical, si je ne dis pas de bêtises, avant d'attaquer la Ligue des Champions. Patrice Lair aurait pu aussi se cacher et dire « moi, je vais reprendre l'équipe une fois que… » Enfin, il aurait pu laisser José Barcala faire et voir si on se plantait en Ligue des Champions ou pas, et puis après reprendre l'équipe. Il l'a fait de suite, avec le risque qu'on ne passe pas ce tour et qu'il en prenne plein la tronche en disant que c'était sa faute. Hein. Donc, il a eu ce discours-là. Il a quand même eu un projet qui lui a été vendu au départ, qui a changé en cours de route parce qu'on a été éliminé face à Wolfsburg. Qui est une des meilleures équipes européennes. C'est dans les 5-6 meilleures équipes européennes aujourd'hui. Donc voilà. Ça, il le savait en l'occurrence. Ça va être compliqué de toute façon de passer en Ligue des Champions. Oui. Quand tu tombes Wolfsburg, oui. Quand il prend l'équipe, non. Parce que si tu tombes, moi je suis désolé, aujourd'hui, si on avait pris le Slavia Prague ou même Manchester City, je suis persuadé qu'on serait passé. Après, on aurait énormément souffert en championnat parce qu'on n'a pas l'effectif taillé pour. Donc ça peut être un mal pour un bien, je ne sais pas. Mais en tout cas. On l'avait en début de saison avant les blessures d'Andrea. Voilà. Patrick arrive dans ce contexte. Et dans ce contexte-là, il fait face. Il a l'élimination pour Wolfsburg. On lui dit que ça va. Il y a un trou de 3 millions, donc on va faire des restrictions budgétaires. Donc restrictions budgétaires, il accepte. Bon, il a fallu qu'il prenne en main ce groupe. Ce groupe, il ne l'a pas choisi. C'est un groupe qui lui, même si encore une fois, il le fait en connaissance de cause. Je pense qu'il a eu des erreurs de communication avec ce groupe. Je pense que ce groupe aussi a eu un changement radical de Pedro Martinez Losa à Patrice Lair. Il y a eu certainement des incompréhensions des deux côtés. Je crois que le match de Reims, ça a été la goutte d'eau pour les deux. C'est-à-dire que je pense que Patrice Lair en avait ras-le-bol que ses messages ne passent pas comme il le voulait, et ce groupe en avait ras-le-bol que les messages n'arrivent pas. Ils se sont sûrement dit des choses. Là, j'ai zéro info et je cherche pas à en avoir. Il s'est peut-être même passé des choses au final. Hein, après, j'espère, en fait. A priori, peut-être
fait que Patrice Lherbe a même présenté cette démission qui aurait été refusée. Ouais, enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ce qui est. C'est ce qui a été dit dans la presse. Droite, hein. Voilà, ce qui a été dit, c'est qu'il a en tout cas au moins rencontré la direction à ce moment-là. Que si c'était. Donc, de ce qu'on. Du peu qu'on sait, c'est que lui a expliqué au groupe et à la direction que si c'était le problème, il n'y avait plus de problème, il pouvait démissionner. Visiblement, il a eu l'adhésion et du groupe et de la direction, puisqu'il est toujours là. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et derrière, je pense qu'ils s'y sont remis. Je pense que les filles lui ont aussi dit ce qu'elles attendaient de lui en tant que coach. Et lui a l'intelligence, parce que c'est un grand coach, de le faire. On l'a vu, il n'était pas debout devant le banc, il était assis sur son banc. Il n'est jamais arrivé depuis qu'on voit un match. Il a énormément encouragé l'équipe, mais ça, il le faisait déjà. C'est juste que ses encouragements étaient ponctués d'énormes coups de gueule qui prenaient le dessus sur tout le reste. Mais par contre, il le faisait. On entendait, quand vous êtes au stade, vous l'entendez. Mais bon, derrière, quand il pourrissait une joueuse, il ne le faisait pas avec le dos de la cuillère. Là, il ne l'a pas fait, il n'a pas eu besoin de le faire non plus. Le match était maîtrisé. Donc tout ça fait que c'est une bonne chose. Moi, je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose et que ce match-là va être fondateur. Et son discours à la fin sur l'inside est moteur de ça, je pense. Donc ça va être très bien. Tu as envoyé du like là pour justement nous donner de la force pour continuer à vous proposer toutes ces émissions sur Web Girondin Télé. Et Philippe, j'ai envie de te poser la question, mettre un petit peu en perspective justement aussi Vladimir Petković. Est-ce qu'on doit être aussi indulgent avec Patrice Lerck qu'on l'est avec Vladimir Petković, même si tu regardes ça d'un petit peu plus loin? Ouais, je pense que les problématiques sont différentes, mais le contexte, de toute façon, il joue à tous les niveaux du club. Hein. La difficulté dans laquelle se trouve le club, de toute façon, alors on parle beaucoup sur l'équipe pro parce que c'est la vitrine, mais de toute façon, ces difficultés, cette restructuration, cette reconstruction, comme moi je l'appelle, ça va jouer à tous les niveaux. On pensait en fait que chez les filles, comme on avait gardé quand même une base de joueuses relativement solide, qu'à un moment donné, il suffisait presque de vider une case, en remplir une autre, et que ça allait fonctionner tout seul. Et malheureusement, ou peut-être, moi je dirais presque heureusement, le foot ça fonctionne pas comme ça, ça serait trop simple. Là où je pense qu'il faut pas se cacher, c'est que quand tu prends Patrice Lherbe dans ton club, normalement tu sais à quoi t'attendre, quoi. Donc il joue pas un rôle, je pense qu'il l'a jamais joué et qu'il est pas prêt à le jouer. Lui va pas être amadoué, mais lui va savoir à un moment donné arrondir quand il aura besoin, mais à la fin ça restera Patrice Lherbe avec son tempérament, ses qualités et ses défauts, et de toute façon il faudra que le groupe fasse avec, que lui fasse avec ce groupe là et que petit à petit ils trouvent leur marque. Je pense que le prochain match de toute façon sera un vrai tournant pour lui, qui est un ambitieux, puisqu'en cas de défaite au PFC, de toute façon c'est quasiment, alors qu'on est qu'au mois de novembre, c'est quasiment cuit pour la suite, sauf miracle. Donc voilà, il fallait qu'à un moment donné il trouve des leviers pour presque se mettre en ordre de bataille pour préparer ce match là puisque je pense que le match d'avant était quand même un petit peu moins compliqué vu l'adversité, avec tout le respect que j'ai pour Guingamp. Mais voilà, il fallait qu'à un moment donné, il trouve quelques leviers pour essayer de préparer ce match-là. Mais je répète, je pense que un profil comme Patrice Lherbe, tu le modifies pas. C'est à prendre ou à laisser. Je pense que quand il est venu, il a dû donner ses règles et quand il a dû rencontrer la direction, je suis quasiment persuadé qu'il leur a dit les mêmes règles. Qu'à un moment donné, lui, il n'est pas là pour se transformer. Il est là pour apporter ce qu'il est en capacité d'apporter, même si évidemment les effectifs qu'il a pu connaître ou même les clubs, les environnements de clubs qu'il a pu connaître ont été complètement différents. Mais c'est quelqu'un de très ambitieux et de très exigeant. Et là-dessus, je pense que voilà, il fallait pas aller avec Patrice Lherbe si à un moment donné on veut faire un projet de seconde zone. Messieurs, les prochaines semaines vont être super intéressantes, en tout cas, hein, ouais. Je pense. Et justement, hein, Philippe, tu te projetais un petit peu sur le prochain match. Le prochain match face au PFC, Bordeaux 5e à l'heure actuelle avec 10 points. Le PFC, donc, est 3e, plutôt bien réussi ce début de saison. Une seule défaite pour eux. Et comme le disait effectivement Patrice Lherbe, l'objectif c'est d'aller chercher cette victoire au PFC pour relancer cette saison. La victoire sinon rien, du coup, Thibaut. Bah oui, parce que ça deviendrait, comme l'a dit Philippe, voilà, quasiment joué, hein, pour la troisième place en cas de défaite, hein, de Bordeaux. Après, c'est vrai que cette équipe du PFC
Moi, le début de saison ne me surprend pas du tout, parce que c'est une équipe qui, certes, était peut-être un petit peu en dessous la saison dernière, mais qui a fait un recrutement intelligent, notamment en faisant venir Oulema Tassar, une ancienne donc, de Bordeaux, hein, qui a été transférée cet été. Et puis surtout, Clara Matteo, qui explose à ce moment tous les compteurs, et une joueuse moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Tess Laplacette, ouais. qui est une joueuse vraiment de classe internationale, et c'est un vrai collectif cette équipe du PFC. Elles ont connu qu'une seule défaite, je crois que c'était contre Lyon il me semble, où elles ont perdu Paris, c'était Paris. C'est Paris, ouais. Ouais, bon, ouais, ben en plus le derby parisien. Mais voilà, mais c'est une équipe qui a des bases solides, beaucoup plus solides que celle de Bordeaux aujourd'hui, qui a un fond de jeu plutôt intéressant, et qui a des individualités aussi très performantes. Donc, ça sera clairement le match, le gros match de ce début de saison. Et je voulais juste terminer en apportant quand même un petit bémol à ce que j'ai entendu tout à l'heure au sujet de Patrice Vert à mettre à son crédit, si on veut. Bon, c'est vrai que c'est un entraîneur hyper exigeant, c'est vrai que c'est un entraîneur qui arrive avec on changera pas, etc. Pour autant, on peut pas comparer pour moi totalement le début de saison des masculins et le début de saison des féminines, pour la simple et bonne raison que Petkovic à sa décharge hérite d'un groupe qui est complètement explosé. Notre ami Patrice Lair, il reprend un groupe certes dans les mêmes conditions mais pas dans le même contexte. C'est un groupe quand même sain, certes qui a perdu des éléments mais qui reste quand même un groupe sain. Et toute la préparation physique, alors peut-être que ça explique aussi le début de saison un petit peu compliqué pour les Girondines, mais tout le début de saison, la préparation physique était axée sur la performance en Ligue des Championnes, et c'est vrai que le club a construit un programme de préparation physique et a axé la préparation mentale des joueurs sur ce match face à Wolfsburg. Et derrière, il y a eu il y a eu le résultat qu'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'elles ont été éliminées en gagnant au match retour. C'est quand même assez particulier. Et donc, il y a eu peut-être aussi un phénomène de décompression et un creux physique. Ouais. Et le club s'attendait à ce creux physique-là. Peut-être pas aussi important parce qu'on a vu une équipe quand même en difficulté physique sur les deux ou trois premiers matchs du championnat. Et donc ça aussi, ça peut expliquer le départ un peu raté, même raté, soyons honnêtes, de cette équipe bordelaise. Donc il y a des plus et des moins, mais en tout cas, maintenant c'est fini. Il faut arrêter de parler de Wolfsburg, il faut arrêter de parler du début de saison. On a un nouveau championnat qui commence maintenant et il faut aller absolument gagner des points, prendre des points et pas prendre un point, en prendre trois face au Paris FC. Ça sera difficile, mais on a une équipe quand même avec du talent, avec des joueuses qui ont montré qu'elles pouvaient faire des choses extraordinaires. Et il suffira de leur rappeler qu'elles ont quand même battu Wolfsburg. Donc, c'est pas le Paris FC qui doit leur faire peur dans 15 jours. Patrick, je te vois faire un petit peu la moue quand même. Hein, parce que non, PSG, non. C'est... Non, d'accord, ok. Bon, le PSG, je suis d'accord avec. Non. D'accord avec ce qui a été dit et j'espère qu'elles vont gagner. C'est vraiment un match, ce qu'on appelle les matchs à 6 points. Quoi. Tu perds, t'es à 11 points, c'est fini. Tu gagnes, tu reviens à 5 points, tu peux espérer. Donc, je suis assez d'accord. Okay. Moi, ce que j'ai dit sur avec Vladimir Petkovic, c'est que j'ai vu beaucoup de supporters dire on laisse du temps à Vladimir Petkovic et à Patrice Lair, il nous fait chier à gueuler. Non, en fait, c'est pas parce que c'est pas le même caractère. Moi, il a juste récupéré un groupe sain, bon, mais qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas prévu d'entraîner. La preuve, il s'est marié à la première journée, donc c'est qu'il n'avait pas vraiment prévu de prendre une équipe à ce moment-là. Et donc, il a fallu qu'ils apprennent à se connaître. Ils n'ont pas eu de match amico pour le faire. Ils n'ont pas eu tout ça. Donc, voilà, il y a des circonstances qui ont atténué en termes du coup. Il y a plein de choses. Des blessures de Delphine Châtelain, blessures de Mélissa Herrera. Enfin, voilà, on trouve des excuses pour l'équipe masculine. On en trouve pour l'équipe féminine. Par contre, le niveau d'exigence reste le même. Et moi, je suis convaincu. Il aime son groupe, il l'a déjà dit. Je suis convaincu qu'il aime son groupe. Je suis convaincu que globalement, le groupe apprécie l'entraîneur. Il est maintenant au complet. Il a un adjoint et un entraîneur des gardiens. On oublie de dire que pendant un mois, il n'aura pas eu quand même. Il se débrouillait tout seul avec Hugo Roche sur le terrain à deux pour gérer une équipe professionnelle. Enfin bon, bref. Donc, on peut trouver plein de choses comme ça.
Mais ça y est, Thibaut l'a dit, le championnat est lancé, c'est fini, les excuses, on n'en veut plus, on veut de la gagne et du jeu. Bon, quelque chose à rajouter, messieurs? Ouais, juste pour terminer, annoncer, enfin juste voilà, Romane Bruno, donc, qui est la gardienne de l'équipe féminine, une des gardiennes de l'équipe féminine. Tout le monde pensait qu'elle était partie de Bordeaux. Non, elle avait juste un gros problème au niveau du genou. Mmh, elle s'est faite opérer la nuit dernière ou aujourd'hui. Et donc, elle a communiqué sur sa blessure sur ses réseaux sociaux. Donc, moi, je voulais lui passer un salut amical et l'assurer de notre soutien parce que, voilà, c'est vraiment, pour le coup, on a la chance d'avoir à Bordeaux des joueuses de qualité, mais aussi des personnes extraordinaires. Et Romane, elle en fait partie. Bon, ben, on lui envoie en tout cas beaucoup de soutien. Et ce qui nous permet du coup de clore cette page féminine. On reparlera bien sûr des filles dans une prochaine émission. Et on espère d'ailleurs la prochaine fois avoir un ou une invitée pour parler justement du foot féminin et des Girondins. Bien évidemment. Et du coup, on va tout de suite enchaîner sur le prochain sujet. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner également à la chaîne Web Girondin Télé. Ça vous permet aussi de réagir en direct dans le chat. Là, je vois, ça commence à réagir. Alors, je pense qu'il y en a qui n'osent pas trop donner leur avis sur les filles. Mais là, je pense que ça y est, ça va commencer à venir également. Sur le sujet, le prochain sujet qu'on va aborder, qu'on va lancer, c'est le focus de la semaine, en l'occurrence. Docteur d'études en histoire. Oui, il est parti un petit peu plus vite, effectivement, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Docteur Jekyll ou Mr. Hyde, c'est un peu la question qu'on va se poser, parce que Yacine Adli, il y a beaucoup de bonnes choses, et parfois aussi des choses un petit peu moins bonnes. On est exigeant avec Yacine Adli, parce qu'on se dit que c'est quand même un joueur qui a un certain talent, voilà, on va se poser... pas mal de questions à son sujet. Ça va être intéressant d'avoir votre avis, messieurs, et d'avoir l'avis de tous ceux qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas à poster votre avis. Ben, osez, allez-y. Messieurs, moi, j'ai envie de commencer, avant de partager aussi quelques statistiques, on va justement vraiment essayer d'analyser ça dans le détail concernant Yacine Adli. Mais j'ai envie de vous poser la question suivante, et Philippe, je peux commencer par toi. Pourquoi est-ce que Yacine Adli fait parler dans le sens où il ne met pas forcément tout le monde d'accord, j'ai envie de dire? Bon, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le joueur, il y a le bonhomme. Je pense que le bonhomme, il sort un peu du cadre habituel du footballeur, c'est-à-dire que il s'exprime, il sait s'exprimer, mais après il le fait avec une jeunesse et une fraîcheur qui font que parfois sont des propos qu'on n'a plus l'habitude d'entendre dans le milieu du foot. Donc, ça c'est comme tout. Hein. Quand tu t'exprimes, il y a une partie des gens qui apprécient, puis une autre partie qui apprécie moins. Je dirais pas qu'il apprécie pas, mais qui apprécie moins. Donc, je pense que ça c'est le côté clivant du personnage. Et puis après, le joueur aujourd'hui, il est arrivé avec une certaine étiquette. Ça a mis du temps. Puis il y a des matchs où on le voit, des matchs où on le voit plus. Il y a un côté très irrégulier dans son jeu. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, d'après moi, depuis quelque temps, c'est un peu la caution technique du club, c'est-à-dire que on n'a pas trois Yacine Adli qui se tirent la bourre, et notamment dans ce milieu de terrain qui est dévasté. Donc évidemment, à un moment donné, il prend des responsabilités. Et quand tu prends des responsabilités et que tu as 20 ans, ce qu'il les a juste, évidemment, il y a du déchet, il y a des ratés, il y a parfois aussi des abus de certains gestes qui font que il est remis en cause. Mais je pense que malgré tout, de toute façon on va en parler, on va le voir, aujourd'hui Bordeaux ne peut pas se passer d'un Yacine Adli performant, parce qu'aujourd'hui il est trop seul dans cette zone de terrain et dans ce profil de joueur pour disparaître. D'ailleurs, on le voit, je pense que Petkovic lui a bien signifié qu'il lui donnait un petit peu les clés du jeu, maintenant à lui aussi de passer un cap pour justement faire taire parfois certains détracteurs.
Patrick, pourquoi est-ce que Adeline ne met pas tout le monde d'accord au final? Pourquoi il s'est jasé? Et on le voit sur le chat, ça y est, ça commence. Ouais, parce que Yacine Adli, on adore le détester par moment parce qu'il nous agace. Parce qu'il est. En fait, il a presque un. Enfin, un des défauts qu'il a, c'est d'être mal entouré. Pas dans son entourage personnel et tout ça, je ne le connais pas, je ne sais pas. Mais sur le terrain. Je pense que si sur le terrain, à côté de lui, il y avait un bon vieux grognard, un mec qui soit capable de temps en temps d'aller l'attraper par le callback et lui dire « Maintenant, tu vas arrêter de nous faire 12 dribbles, tu vas arrêter de tenter n'importe quoi, tu vas te mettre à jouer simple, etc. » Si on avait ce style de joueur au milieu pour lui dire « Tu vas avoir les clés, mais par contre, nous, vas-y, fais-toi plaisir offensivement. Par contre, nous, on va défendre. Nous, on va te récupérer les ballons, on va te mettre dans des bonnes conditions. » Mais arrête de venir dans notre zone, arrête de venir jouer, arrête de venir les chercher. Si on avait ce genre de joueur, Yacine Adli, pour moi, passera un cap et dans son transfert à Milan, dans ce genre de choses, quand il aura ce genre de gars à côté de lui, il passera un cap. C'est un joueur talentueux, c'est un grand joueur. Enfin, non, c'est pas encore un grand joueur, c'est un joueur talentueux. Maintenant, voilà, il m'énerve parce qu'il veut tout faire. Il veut tirer les coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe. Et il veut prendre le ballon à 35 mètres et trouver une passe décisive 35 mètres. Patrick, je te coupe un peu, excuse-moi de vouloir faire la contradiction ici, mais enfin, c'est un joueur qui prend des initiatives pour le coup. C'est ce qu'on n'a pas vu pendant toute l'année dernière, sous Jean-Louis Gasset par exemple. Mais moi, je veux qu'il prenne des initiatives, mais pas toutes. Là, il veut prendre toutes les initiatives de l'équipe. Avoir les clés du jeu, c'est pas tout faire. C'est aussi savoir se mettre au service du collectif pour mettre le collectif dans les meilleures conditions. Et ça, je pense que c'est ce qui lui manque aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment d'intelligence de jeu pour pouvoir se dire à un moment, non, il faut que je reste haut pour empêcher les premières relances. Je toucherai moins de ballons, mais je vais, quand je vais l'avoir, le ballon, je vais pouvoir faire jouer mes partenaires en une, deux touches, bien, plutôt que de vouloir toujours... Enfin, moi, ce qui m'agace, par exemple, sur les derniers matchs, c'est avec Dilrosun, il se marche dessus. Qui est en tort, qui a raison. Ben, sur le dernier match, a priori, c'est Dilrosun qui n'a pas fait ce qu'il fallait puisqu'il est sorti et que Yacine Adli est resté et nous a fait 20 minutes de qualité. Mais je trouve que les 20 minutes de qualité font trop facilement oublier les 70 premières minutes catastrophiques de Yacine Adli. Elles sont catastrophiques. Il n'y a pas d'autre mot. Elles ne sont pas bonnes. Donc voilà, c'est un peu ce côté-là qui m'agace. Mais je me dis, c'est dommage parce que ce joueur-là, on va le perdre. Et Philippe a raison, on n'en a pas d'autres comme ça. Ce n'est pas, pour l'instant, sur les autres, ce qu'ils nous ont montré, que ce soit Otavio, que ce soit Franck Sergio, que ce soit Sissoko, que ce soit Lacou. Ce n'est pas le profil de Yacine Adli. Il n'y en a aucun qui a ce profil-là. Quand on va le perdre, je pense qu'on va le regretter parce qu'on va s'apercevoir que ce gars-là, quand il va prendre 2-3 claques à Milan par des cadres du Milan AC, les caissiers, etc., ou les Zlatan, et je pense que même de lui-même, il va se mettre tout seul en ordre de marche, il va arrêter de faire ce cinéma qu'il nous fait de temps en temps. Et puis il va être quand même chapeauté aussi par Mister Maldini, qui d'ailleurs le suit. Ça commence déjà, paraît-il. C'est le joueur d'ailleurs qui l'a confirmé. Thibaut, je te mets à contribution également pour avoir ton avis de façon générale, un peu en introduction sur le joueur Yacine Adli. Ouais, moi il me frustre aussi hein, parce que c'est un joueur, on le sent, voilà, qui a des qualités au-dessus, en tout cas de la moyenne qu'on a à Bordeaux. Mais parfois j'ai l'impression que à force de vouloir à force de vouloir bien faire, il en fait trop et mal. Moi, je n'ai pas nécessairement la rage contre Yacine Adli parce que, enfin, honnêtement, ça serait vraiment malvenu de dire que c'est un joueur qui nous en kikine, etc., etc. Parce que on a que lui comme joueur technique de ballon, on a que lui. Donc c'est ça qui est un petit peu, c'est là où on est un peu schizophrène, c'est-à-dire que on va essayer de trouver des, enfin, il y a des choses qui nous agacent chez ce joueur-là. Donc c'est ça qui à moi me rend fou, parce qu'il est capable de faire 20 vraies très bonnes minutes contre Reims, par exemple. Mais par contre, pendant 70 minutes, il va faire absolument n'importe quoi et rien du tout. Et donc, c'est ces montagnes russes qui moi, me frustrent un petit peu. Il a le malheur d'être tombé dans une équipe qui, malheureusement... il n'est pas tombé dans la meilleure période des Girondins. Il n'est pas forcément aussi très très bien entouré.
Et donc, il a ce rôle de leader technique, mais qui est peut-être, le costume est peut-être encore un peu trop large pour lui, et il ne peut pas révolutionner le jeu des Girondins lui tout seul. Donc c'est un peu facile aussi de lui tomber dessus, mais c'est vrai qu'il a ce côté montagne russe et irrégulier qui moi, m'énerve. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Alors, on a justement un petit élément à partager avec vous, et je vais demander à Philippe d'intervenir, parce que je pense que c'est ton dada. Là, en l'occurrence, Philippe, il y a pas mal de statistiques sur ce rapport de scouting de FBRF, ou je ne sais pas trop comment on dit d'ailleurs, mais un site qui regroupe pas mal de statistiques. Est-ce que tu peux nous aider un petit peu à décrypter celui-ci, Philippe? Ouais, alors c'est sur FBRF, en effet, le site internet où on trouve pas mal de stats. C'était pour sortir un peu de nos impressions personnelles et venir sur des choses un petit peu plus factuelles, notamment sur ce joueur où on se dit parfois mais comment il peut être suivi par un club comme le Milan AC. Et finalement, quand on regarde un petit peu ces rapports là on peut comprendre assez facilement. Alors, pour faire simple, les petites barres de droite là, la colonne centile, en gros, c'est le positionnement du joueur comparé à des joueurs du même poste dans les 5 grands championnats, pour résumer ça le plus simplement possible. Et on voit que quand même Yacine allume beaucoup de verts, quoi. Que ce soit dans les passes décisives, les fameux XA, donc les possibles passes décisives, ou dans les actions menant à un tir, on voit qu'il est très très haut, il est à plus de 90%, donc il fait partie quand même des joueurs qui amènent beaucoup sur cet aspect offensif-là, et c'est pas pour rien qu'il a nié sur le terrain. On voit sur un petit peu plus en dessous également au niveau des dribbles, tout ce qui est passe vers l'avant, nombre de chevauchées, dribbles réussis, et on voit, et de toute façon ça on le voit sur le terrain, c'est pour ça que parfois on se demande pourquoi il joue aussi haut, mais on voit qu'en partant de plus bas, c'est quand même un des rares en plus dans notre effectif qui amène du jeu vers l'avant, que ce soit par une capacité à porter le ballon, pardon, et à éliminer, voire par certaines passes. Et dernier point, c'est dans le dernier pavé, ces fameuses pressions, les pressions moi qui me tiennent tant à cœur là, ces fameux pressing, perte du ballon et compagnie. On sait que là-dessus, il est très très fort, c'est-à-dire il est capable de réagir très rapidement à la perte du ballon. Quand on perd le ballon haut, c'est pour ça que je dis toujours que moi j'aime beaucoup le voir quand on joue beaucoup plus haut, et on l'a vu. Hein, si on l'a vu un petit peu plus dans les 20 dernières minutes du dernier match contre Reims, c'est pas pour rien qu'on est repassé sur deux milieux avec lui et Lacou, et qu'on a gagné 30 mètres sur le terrain, on a joué plus haut, il a récupéré des ballons plus haut, et il a été beaucoup plus dangereux. Donc tout ça, ça montre en fait aujourd'hui ces grosses qualités qui ressortent, mais de notre côté, on voit qu'il y a quand même du rouge qui s'allume, alors c'est normal, et on parle de tout milieu confondu, mais de toute façon, je vais rien apprendre dans ce rouge-là. Alors il y a un peu de gris en haut aussi sur la finition, on sait qu'aujourd'hui, alors je dis ça la semaine après qu'il ait marqué son but contre Reims, mais aujourd'hui il lui manque un peu, notamment pour jouer haut, il lui manque un peu cette capacité quand même à finir, à venir marquer. On voit même sur son but contre... Ouais, mais on voit... Girondins, 10 passes décisives. Hein, ouais, alors il y a moins de buts que de passes, alors son rôle veut ça aussi, mais on voit même sur son but à Reims, il manque un peu de spontanéité. Alors il a le temps, il a le temps de contrôler, de crocheter, de mettre sa frappe. Alors on va me dire, oui, mais parce qu'il est lucide, il a du sang-froid. Ouais, mais justement, parfois, ce petit truc en plus là qui lui fait perdre un peu son temps d'avance. Il allume du rouge sur le nombre de passes réussies. Alors ça, je le relativise, parce que c'est toujours pareil, tu réussis tes passes en fonction aussi des solutions qu'on te donne. Mais malgré tout, on voit qu'il y a quand même beaucoup de déchets, et moi je trouve qu'il y a souvent du déchet dans des zones très dangereuses. Ça, c'est fait partie des choses que je lui reproche. Ou parfois, encore une fois, il a tendance à être peu lucide et à tenter des choses dangereuses, notamment par rapport. Il doit connaître la faculté de ses coéquipiers parfois à se mettre en difficulté, et lui ne doit pas les mettre en difficulté par certains choix qui sont parfois des choix techniques. J'ai encore en mémoire 2-3 relances qu'il fait contre Nantes, où on n'est pas loin de. Où on frise la correctionnelle. Et dernier point, et après j'arrête, c'est la fin, sur tout ce qui est balle contrée, interception. Et là, pour moi, c'est ce qui me gêne le plus. Moi, je trouve qu'il est très très faible sur le duel défensif. Il se laisse prendre, il défend sur les talons, il se fait éliminer trop facilement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à l'envisager à jouer dans le poste où on aimerait le voir, finalement. Mais comme offensivement, je pense qu'il apporterait beaucoup dans un poste plus bas, que ce soit dans un double pivot, voire
en positionner un 6 avec 2-8, même si c'est quand même compliqué. Mais aujourd'hui, défensivement, dans le, notamment dans un bloc bas ou dans un bloc média, il aurait beaucoup, beaucoup de mal. Et il est présent, il sort sur les actions, mais il se fait trop facilement éliminer. Et je pense que ça, autant je compte sur Petkovic pour l'améliorer encore un petit peu plus sur l'aspect offensif, sur sa capacité à faire jouer ses coéquipiers, autant je pense qu'en Italie, on va vite lui faire comprendre qu'à un moment donné, défendre sur les talons là-bas, ça marche pas. La moindre erreur est payée coûtant avec le talent des joueurs offensifs qu'il aura en face de lui. Donc, c'est là-dessus qu'il faudra, à mon sens, qu'il progresse le plus. Mais rien ne l'empêche de progresser là-dessus aussi pendant les 6 mois qui restent et de prendre du coffre et un peu, et, voilà, d'être un petit peu moins naïf sur ses actions défensives. Bon, c'est super intéressant tout ça. Qui veut réagir notamment et sur l'aspect positionnement préférentiel. Moi, j'entends souvent parler effectivement de Regista. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, Regista. Et effectivement, Philippe, tu disais voilà, qu'il est préférable de voir Adli partir un petit peu plus loin au final, qu'il ne soit pas positionné trop au départ des actions. Patrick, Thibaut, est-ce que vous voulez réagir un petit peu à ce qui a été dit par Philippe? Ouais, enfin, c'est sûrement le problème qu'on rencontre avec Yacine Adli, c'est-à-dire qu'on le talent on le voit, les éclairs de génie on les voit, les choses bien on les voit, ce qui fait mal on le voit aussi, et finalement on se dit mais à quel poste il faudrait qu'il soit. Est-ce qu'il faut le mettre en 6 carrément, dire ok vas-y fais de l'activité, est-ce qu'il faut le mettre en 8, est-ce qu'il faut le mettre en 10, est-ce qu'il, alors Petkovic là pour le coup, moi j'en suis sûr, mais Petkovic avait essayé un moment en deuxième attaquant, plus ou moins un peu reculé en 9,5 on va dire, alors ça pour moi c'est pas bon pour pas bon du tout, mais c'est peut-être finalement le fond du problème, c'est ce que soulève le document que nous a montré Philippe, c'est à quel poste on doit le mieux l'utiliser, et c'est là où je pense que lui a un travail à faire sur comment il pense pouvoir le mieux faire jouer l'équipe pour savoir où on doit le placer. Moi, de mon point de vue, il serait parfait avec deux milieux derrière lui, enfin au moins un milieu, gros milieu récupérateur derrière lui, tabasseur. Voilà, des profils qu'on n'a pas du tout. Lui, un peu plus libre, pouvoir prendre les ballons, mais savoir que derrière lui, il y a toujours une sécurité. Il y a systématiquement quelqu'un qui sera capable de venir faire l'effort pour compenser son déchet. C'est là-dessus que je pense que le profil d'Ottavio ne convient pas du tout parce qu'il a pas, il n'est pas dans ce jeu-là. Il est plus dans un jeu d'interception que de venir. Voilà, je n'ai pas de comme ça en tête, je ne me dis pas, tiens, le profil idéal à côté de Yacine Adli, c'est un tel, mais je pense que c'est en tout cas, si je devais m'imaginer, je me dis, est-ce que Yacine Adli, par exemple, dans une équipe aussi bien huilée que Lens, avec un milieu qui fonctionne, avec des, son nom m'échappe, c'est Kofofana, voilà, un milieu comme ça à côté de lui, ça donne quoi Yacine Adli? Ben, je pense que ça donne un peu Gaël Kakuta, hein, peut-être moins décisif, mais on est dans ce profil de joueurs qui sont capables de s'exprimer offensivement, à qui défensivement on va leur dire « Ok, de temps en temps, on va te faire cadeau d'un replacement. » Et c'est ça que j'aimerais voir, mais bon, là, on n'est plus sur le débat Yacine Adli, mais notre milieu est tellement catastrophique que, comme l'a dit Philippe, on ne peut pas se passer de Yacine Adli et de son talent. Et d'ailleurs sur le coffre il a montré qu'il en avait pris puisque en général à la 60e on le voyait plus, il sortait. Et là il est sorti de sa boîte à la 70e et il nous a fait 20 minutes très propres, et pourtant même si pour moi il a fait 70 premières minutes pas bonnes, il ne s'est pas ménagé pour autant dans les 70 premières minutes, il s'est pas caché comme certains de ses copains qui jouent sur l'aile gauche, il a joué, j'avais pas mis de tacle sur Roudin encore, il fallait bien faire un, mais voilà, donc moi Yacine Adli en tout cas, je pense que le meilleur profil ce sera quand il aura quelqu'un à côté de lui pour l'aider, et aujourd'hui il l'a pas. Thibaut, est-ce que tu veux réagir à ce qui a été dit sur l'aspect tactique, statistique qu'on évoquait? Non, bah après, je pense que tout a été dit, et c'est vrai que c'est le problème est là, c'est que on n'a pas de joueurs aujourd'hui complémentaires avec Yacine Adli pour tirer la pleine mesure du potentiel de ce joueur-là. C'est vrai que Philippe insistait sur les carences, on va dire, défensives de Yacine Adli. C'est ce qui aujourd'hui est peut-être le plus gros problème en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de joueur, comme on disait, oui, voilà, capable de pallier ça. Donc oui, je ne vais pas rajouter beaucoup plus que ce qui a été dit.
Tiens, je te relance aussi là-dessus, Thibaut, et messieurs, vous pouvez réagir également. Sébastien qui nous dit, est-ce qu'avec un milieu Lacou Onana, justement, derrière lui, ça peut le faire, ça peut le mettre dans des bonnes dispositions? Par exemple, oui. Pourquoi pas. Après, c'est un milieu qui n'a pas été forcément beaucoup testé, donc à voir. Mais oui, sur le papier, ça pourrait fonctionner. Je pense que Sissoko Onana derrière Adli, c'est même encore mieux. Par l'activité de Sissoko et par son impact qu'il peut mettre, ça peut mettre être. Enfin, après, je ne suis pas coach, mais on en a un sous la main, ça tombe bien. En plus, il est plutôt bon, donc dans ce qu'il nous explique. Si tu vois, Philippe, moi, le document. Mais arrête de. J'ai rien compris. T'es à fond, toi. Hein. Non, mais. Le document, il nous l'a, on l'a vu avant. Moi, j'ai rien compris. Rien. Là, non, mais ça, c'est parce que t'es un peu. Ouais, je sais, j'ai un troisième œil sur le front. Une explication de texte. Exactement. Donc voilà, non, mais je pense que ouais, Sissoko, Onana et Adli, ça peut être un milieu hyper intéressant pour nous. Issou Sissoko qui devrait partiellement reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Justement, en termes de marge de progression, du coup, qu'est-ce que. Je vais y arriver, décidément, ce jeudi soir. Et après, c'est moi qui ai un troisième œil. Oui. Ouais, c'est ça. mais sur quoi Yacine Adli doit vraiment se focaliser, du coup, Philippe, si tu devais ressortir, je sais pas, deux, trois axes, vraiment, cette saison, sur lesquels il doit se focaliser pour préparer son avenir et prétendre à ce bel avenir. Je ne vais pas dire qu'on lui promet, mais qu'on espère en tout cas pour lui. Ouais, enfin moi, je vais donner deux trois points. Le premier, qui va pas être foot. Moi, je lui conseille sur les 6 prochains mois de faire attention à pas tomber dans le piège que lui tendent en ce moment un peu facilement les médias, les micros, qu'on tend parce qu'on sait que c'est un bon client. Ce qui est vrai, parce qu'à chaque fois, on le voit encore, son enthousiasme de dimanche dernier. Mais attention à ce que ça se retourne pas à un moment donné contre lui. Ça serait dommage parce qu'il mérite pas. Et je suis sincèrement persuadé que c'est un garçon intelligent. Donc, alors en Italie, il sera évidemment moins sollicité que par chez nous. Mais en tout cas, s'il y avait un petit alerte, faire attention à ça. Sur le terrain, pour moi, il va être très dépendant surtout des choix qui vont être faits, parce que je le répète, quand ce garçon, si on le met, j'ai regardé hier à Leipzig jouer contre le PSG, et quand je voyais cette équipe là qui constamment avance sur le porteur, prend des risques, joue haut avec une gestion de la profondeur qui parfois est compliquée, mais je me disais, qu'est-ce que dans une équipe comme ça, qu'est-ce qui serait bien et qu'est-ce qui serait content, Yacine, quoi. Il récupérerait le ballon, il aurait trois solutions autour de lui qui bougent dans tous les sens, et puis à la perte du ballon, on lui dirait pas de regarder autour de lui, on lui dirait d'avancer, quoi. Si à un moment donné Bordeaux, parce que c'est ce qu'a voulu faire un peu Petkovic en début de saison, ce pressing-là, si Bordeaux se remet à ça, à ce moment-là, oui, dans un rôle un petit peu plus haut, il peut être intéressant. Maintenant, sur ces points, alors déjà qu'il continue à optimiser ses points forts, comme on a pu le dire, moi, sur ses points faibles, je répète, il va falloir qu'à un moment donné, dans ce duel défensif, finalement, qu'il soit moins dans la générosité comme il est dans l'offensif, et qu'il soit un petit peu plus dans la raison, dans ce fait de pas toujours chercher à intercepter le ballon, mais plutôt à ralentir un petit peu, à aider son partenaire à se situer dans une ligne, parce que il veut tellement parfois beaucoup faire et bien faire, que finalement, ben, il tombe sur des gens en face de lui qui ont vite compris et qui voient un peu ce côté naïf là, et je répète, et comme il n'est pas entouré au milieu de terrain, et qu'aujourd'hui, eh bien, quand Yacine Adli se fait éliminer, c'est derrière de suite la défense centrale qui se retrouve en difficulté. Alors je dis ça pour lui, comme je le dirais pour tous les autres. Hein. Aujourd'hui, on a quand même une carence à ce niveau-là. Alors, ça avait été encore plus flagrant, moi, je trouve, contre Nantes. Mais voilà, qu'il fasse des efforts par rapport à ça, et puis je répète, pour lui aussi, parce qu'au Milan, qui est pas, je crois pas, je les ai pas vu beaucoup jouer cette année, mais qui est pas vraiment une équipe qui avance. Il va falloir quand même qu'il soit beaucoup beaucoup plus solide dans cet aspect en contre un défensif. Alors tu soulevais aussi cet aspect personnalité, effectivement, qui est assez important. Patrick, moi j'ai envie de dire que c'est effectivement un leader malgré son âge, d'une certaine façon. On le voit sur le terrain. Dans certaines approches, effectivement, les sorties médiatiques également, il n'a pas sa langue dans sa poche, on l'a vu la semaine dernière. J'ai envie de dire aussi qu'il est loin de l'image du footballeur qui est assez aseptisé, hein, beaucoup de langue de bois, notamment dans les conférences de presse. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit avec Yacine Adli, on l'a vu notamment l'an dernier, où il s'est quand même exprimé
Très franchement, est-ce qu'Adeline est-il, est-ce qu'il n'est pas finalement l'un des vrais leaders du vestiaire cette saison aux Girondins? Ouais, mais il est, je vais pas dire leader par défaut parce que je pense qu'il a envie d'être leader, mais au final, on paye le manque de personnalité de cette équipe et du coup, Adli est finalement la personnalité d'Adli, elle va presque bouffer les autres parce qu'il y a rien en face. Il y a, en répondant de caractère, hein, je parle. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait sur le terrain, ça se traduit. Il est obligé de prendre ses responsabilités parce qu'à côté de lui, il y a des joueurs qui n'ont pas trop envie de les prendre. Et donc, du coup, il en fait trop parce qu'à côté de lui, il n'y a personne pour lui dire « Tu nous saoules, là, arrête de faire 12 dribbles, donne le ballon, lâche-le, fais pas… » Enfin, et donc, lui, ayant cette personnalité-là et cette intelligence quand même, dans ce qu'il dit, il est souvent assez lucide. Moi, j'ai bien aimé quand même sa réaction après Reims parce que Philippe a raison, il faut qu'il se méfie. Ça, un jour ou l'autre, il va en dire une grosse fève et ça va lui retomber dessus. Et d'ailleurs, il y a des gens… j'ai pas regardé sur le chat ici, mais il y a des gens sur les réseaux qui disent ouais, il parle mieux que ce qu'il joue et ceci et cela. Oui, d'accord, mais moi je préfère voir ça que des joueurs qui nous sortent des robinets d'eau tiède à longueur de journée et qui répondent oui, l'important c'est les trois points et on est content et c'était super et j'y jouais. On va se remettre à travailler. Ouais, voilà, tu vois, moi, ça c'est bon. Moi, Yacine Adli, ça me plaît quand il parle. J'aimerais que son talent footballistique soit à la hauteur de ce qu'il nous dit, parce qu'il n'a pas toujours montré l'année dernière surtout, mais je le trouve intéressant dans ce qu'il dit, souvent assez juste. C'est un garçon qui est très intelligent, c'est un garçon qui en plus pourrait se foutre complètement de la situation de Bordeaux, et tu vois que entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il met quand même il met les paroles et les actes, hein. Il fait tout en tout cas pour que sur le terrain, il s'implique à 100% avec du déchet, avec ses défauts, mais il s'implique. Mais c'est toujours un peu trop. C'est un peu trop ce qu'il fait sur le terrain, c'est un peu trop ce qu'il dit devant la presse ou devant les médias. Mais est-ce qu'on préfère ça ou est-ce qu'on préfère un joueur lisse sur le terrain, sur les médias? Moi, je préfère Yacine Adli. J'aime beaucoup le joueur, mais c'est toujours le mais qui nous casse les pieds, quoi. C'est le mais tu en fais trop, mais ceci, mais cela, mais on t'aime quand même. est-ce que Thibaut, tu es d'accord avec les propos de Patrick sur cet aspect-là, et notamment sur le fait qu'il doit quand même faire un petit peu attention, notamment dans certaines de ses sorties médiatiques? Ouais, je pense que... Enfin, pour moi, clairement, c'est le leader par défaut, hein, de cette équipe. C'est-à-dire que oui, c'est un leader technique, mais c'est pas un jeune de 20 ans de prendre des responsabilités comme ça. Il les prend par défaut parce qu'il n'y a personne qui les assume. En dehors de Costil en début de saison, je parle de gens expérimentés, hein. Mais c'est vrai que faut qu'ils fassent attention parce que le public, pas spécialement bordelais, mais le grand public est parfois cruel. C'est-à-dire que c'est un joueur qui nous régale sur le terrain, voilà, qui a des qualités, etc. Effectivement, quand il dit ouais, Jimmy il a posé ses grosses paires de baloches, voilà, c'est sûr que ça fait marrer tout le monde, mais faut quand même pas occulter non plus le match pourri pendant 70 minutes où tout le monde, où ils se sont fait siffler à la mi-temps, etc. Donc ouais, attention aussi. Et j'espère qu'au club il y a quelqu'un qui sera capable de lui dire, ou même dans son entourage, qui sera capable de lui dire que il va falloir aussi qu'il fasse attention à ses déclarations parce que ça pourrait se retourner contre lui, comme ça s'est retourné contre d'autres joueurs, hein. Souvenez-vous Costil la saison dernière, Koscielny, Rémi Houdin encore à la mi-temps nous sort un festival magnifique après le match, je crois, où il nous dit on n'a pas eu peur. Non, c'est Pembélé, pardon. On n'a pas eu peur, on n'a jamais douté. Oui, bon. Okay. C'est la coupe qui a dit ça. Ouais. Non, mais voilà, c'est tout ça. Après, pour moi, je le redis encore, mais c'est un leader par défaut. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs plus expérimentés et avec un bout de tissu autour du bras qui n'assument pas et qui se cachent. Donc, on en voit Yacine. Je suis désolé de te couper, mais le leader par défaut, je pense vraiment que c'est dans ses gènes. Hein. Moi, j'ai vu des matchs à l'époque, je suis tombé sur... Oui, mais c'est pas. C'est plus de l'équipe de France U17 ou autre, où Yacine Adli était déjà dans ses équipes, il était déjà capitaine. Tu le voyais haranguer ses partenaires sur le terrain. Je pense vraiment que c'est dans ses gènes. C'est pas méchant ce que je suis en train de dire, c'est pas négatif. Ce que je dis, c'est que pour moi, avant Yacine Adli,
qui heureusement qu'il est là d'ailleurs, en quelque sorte, mais avant lui, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui devraient prendre ce leadership. Mmh. Voilà. Et c'est pas un jeune de 20 ans. Lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de se concentrer sur son jeu. Il a besoin de bosser ses défauts, comme on l'a dit précédemment. Il a besoin de polir encore son jeu avant de penser à prendre des responsabilités qui sont peut-être dans cette équipe trop grandes pour lui. C'est pas à lui d'aller au feu quand il faut sortir du bois pour dire pour défendre les joueurs, etc., etc. Il y a d'autres joueurs qui normalement devraient encaisser les coups et prendre les coups médiatiques à la place de Yacine Adli. C'est en ça que je dis que c'est un leader par défaut. Bien sûr que c'est un leader. Bien sûr que c'est un joueur qui nous ravit parce que voilà, il a ce franc-parler, il a ce langage de proximité avec les supporters. On sent, voilà, sur le terrain, c'est quelqu'un de concentré et de motivé. Mais ils sont où les autres? Ils sont où les Franck Sergio? Ils sont où les Koscielny? Ils sont où les Costil? Ils sont où les joueurs comme ça qui, à un moment donné, devraient, de par leur expérience, se faire barrage et assumer aussi, à un moment donné, leur rôle dans cette équipe? Koscielny, si on lui a donné le brassard de capitaine, c'est pas pour aller bouffer avec aux inaugurations ou aller décorer les petits du centre de formation. On les a pris aussi pour qu'ils assument un certain rôle. Donc voilà, c'est en ça que je dis que c'est un leader par défaut. Oui, Yacine Adli, il assume ce rôle-là, mais je pense qu'à 20 ans, eh ben, c'est pas forcément sa place, même s'il le fait très bien. Tiens, on relaye un commentaire de Mathieu, que j'aime bien d'ailleurs. Adli se plante des fois, mais s'il est bon, l'équipe est bonne. Je trouve qu'il n'a pas forcément tort sur ce point-là. Il est 21h10. Envoyez-moi du like. Il n'y a pas beaucoup de likes là encore sur YouTube, sur Facebook. Envoyez-nous du like. Si vous n'êtes pas sur YouTube, venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Web Girondin. Si vous êtes sur Facebook ou si vous êtes sur Twitch, c'est bien d'être sur la chaîne YouTube Web Girondin. Vous ne manquerez pas le moindre contenu, toutes les émissions qui sont à venir. La prochaine, bien sûr, ça sera samedi soir, hein, puisqu'il y aura le débrief à chaud. Mais restez avec nous, puisqu'on va parler du PSG, du match contre le PSG. Dans un instant, on va parler des Girondins, pas du PSG, je vous rassure. On a quand même juste quelques derniers éléments à aborder concernant Yacine Adli. Donc, il est prêté par le Milan AC. On l'a dit. Moi, j'ai envie de te poser la question suivante, Philippe. Est-ce qu'il peut s'imposer au Milan AC, Yacine Adli? Alors, j'imagine, voilà, tu l'as dit, hein, il faut qu'il s'améliore un petit peu sur certains points spécifiques. Mais est-ce que tu es confiant sur le fait qu'il puisse justement s'imposer au Milan AC l'année prochaine ou au cours des prochaines saisons? Franchement, c'est compliqué d'avoir ce type de raisonnement aujourd'hui. Si tu me dis le Milan AC de maintenant, le Milan AC de Pioli que j'ai pu voir un peu l'année dernière, moi je lui vois pas énormément de place. Maintenant, on sait que quand un joueur part dans ce genre de club, tout change pour lui. Voilà, je reprends pour avoir un petit peu les parcours, alors un peu différents, parce que Nkunku avait beaucoup joué quand même avec le PSG, là où Adli finalement avait fait qu'une entrée avec l'équipe première. Mais quand on voit la transformation du garçon après deux ou trois saisons à Leipzig, voilà, on voit bien que l'évolution de joueurs, même à ce niveau-là, même s'ils sont encore pratiquement en post-formation, mais ça peut aller très très vite. Moi aujourd'hui, ce qui, je vais pas dire m'inquiète le plus pour lui, c'est un peu cette capacité à repartir dans une grosse entité. C'est-à-dire, il est sorti du PSG où c'était un petit peu, on le présentait comme un futur joueur en capacité d'atteindre l'équipe première. Il n'a pas réussi à l'atteindre. Il revient à Bordeaux où ça revient quelque chose. Sans doute un petit peu plus à son niveau, en tout cas pour démarrer dans le monde de pro. Et là, il va repartir dans une grosse lessiveuse comme le Milan AC, qui retrouve certes un petit peu de stabilité depuis ces dernières saisons, mais pas tant que ça. Alors après, sur les caractéristiques du championnat, on me dit que je vois là, Iben par exemple, ouais, mais le championnat, il va moins vite. Ouais, il va moins vite, sauf que dans les 30 derniers mètres, t'as plus d'espace. Et on sait qu'aujourd'hui, Yacine, sans espace, ça peut être vite compliqué, donc...
il y a pas de, je pense qu'il y a pas de vérité absolue par rapport à ça, et on a qu'à suivre notre ami Thomas Basic avec avec la Lazio, où on dit ouais, mais en Italie ça va moins vite et compagnie. Ouais ouais, ça va moins vite, mais enfin on s'aperçoit que lui aussi, quand il y a pas de place, ça ça a du mal à marcher. Donc voilà, il va falloir voir son intégration, il va falloir voir déjà, parce que ça va très vite dans ces clubs-là, Milan, ils sont un peu entre deux là, est-ce que il y aura pas un changement de coach d'ici la saison prochaine? Mais c'est sûr que moi je comprends tout à fait qu'il est signé là-bas. Je voudrais pas que ça se transforme alors avec une trajectoire complètement différente, mais par exemple à tous ces jeunes là, je regardais hier Kouassi par exemple, qui est parti du PSG au Bayern et qui joue pas alors qu'il était quasi titulaire avec Tuchel au PSG. Voilà, moi je lui souhaite franchement, il avait dit un truc juste pour conclure, il avait dit un truc en début de saison que pour lui une saison enfin la fin de saison et son parcours réussi à Bordeaux, ça serait de gagner quelque chose. Eh ben écoute Yacine, fais-nous gagner une Coupe de France. Je pense que le championnat ça va être un peu compliqué. Fais-nous gagner une Coupe de France, repars avec ça et on se souviendra que des bonnes choses. Et puis après, ben prends ton envol européen. Il va tenter le coup et puis je pense qu'il est suffisamment intelligent pour se rendre compte à un moment donné que si, mais c'est trop haut, de revenir un petit peu sur autre chose et continuer à grandir. Et puis s'il explose de là-bas, moi je le dis sincèrement pour le bonhomme, je serai le premier content pour lui. Alors tu soulignais Philippe l'intelligence, c'est revenu à plusieurs reprises hein, quand même, hein. C'est quand même quelque chose qu'on a souligné ce soir, mais le fait d'être effectivement prêté et reprêté derrière à Bordeaux, alors c'est pas forcément donc une décision uniquement du joueur, hein, mais il l'a bien sûr accepté, je pense que ça démontre aussi le fait que le joueur a les pieds sur terre et qu'il sent qu'il a encore besoin d'une saison en Ligue 1 dans la peau d'un titulaire pour éventuellement songer à s'imposer, pourquoi pas, au Milan AC. Comment toi, Patrick, du coup, tu perçois son avenir au sein du Milan AC? Moi, je pense que c'est un bon choix pour lui. Ça va lui remettre de l'exigence, parce que là-bas, ils lui laisseront rien passer, mais pas sur ses déclarations, ils lui laisseront rien passer sur le terrain. Donc, moi, je pense qu'il a fait le bon choix là-dessus. Il lui faut un challenge, il a besoin d'être motivé. Le championnat italien peut lui convenir, mais il va falloir qu'il se fasse mal. Et une fois qu'il se sera fait mal et qu'il arrivera à passer ce cap, ce n'est pas évident, hein, mais il a tout pour réussir, ce garçon. Donc, il a la tête, il a du talent balle au pied. Donc voilà, il faut juste qu'il se mette à l'endroit et qu'il soit bien entouré. Philippe l'a dit vraiment, on lui souhaite le meilleur à Yacine Adli parce que on peut lui reprocher plein de choses sur le terrain, etc. Par contre, je suis persuadé, ça se voit, c'est un joueur qui a jamais triché avec le maillot des Girondins. D'ailleurs, un joueur qui a toujours respecté l'institution Girondin de Bordeaux. C'est un joueur qui a toujours fait preuve d'enthousiasme malgré les difficultés. C'est un des rares qui avait des déclarations cohérentes quand ça allait très mal. Donc vraiment, j'espère qu'il va réussir à Milan et je pense qu'il a les qualités. Mais voilà, il faut juste qu'il se mette en tête de ne pas trop en faire et de bien écouter ce qu'on lui dit. Et avec un super coach, alors qu'ils n'ont pas forcément cette année, mais en tout cas, s'il a un super coach, je pense qu'il réussira. Moi, j'ai envie qu'il réussisse, ce garçon. Tiens, Thibaut, je vais te mettre à contribution également sur la prochaine question. On continue de se projeter, mais on reste quand même aussi au Girondin. Qu'est-ce qu'il ferait, selon toi dans quelle mesure tu pourrais considérer justement que la saison d'Adli serait réussie au Girondin avant de partir au Milan AC? Qu'est-ce que tu attends vraiment de lui cette saison au Girondin pour qu'il puisse au final aborder cette prochaine étape au Milan AC de la meilleure des façons? Bah, davantage de régularité, que ça soit plus régulier dans les performances. On ne demande pas, enfin, évidemment, ça dépend pas que de lui non plus, mais ça dépend aussi de l'équipe et du comportement de ses coéquipiers. Mais davantage de régularité dans ses performances. Et puis, oui, pourquoi pas nous amener, comme l'a dit Philippe, faire un bon parcours en coupe. Nous sortir des matchs de qualité dans cette compétition là. Après, il reste quand même dépendant de l'environnement. Donc là-dessus, ça risque d'être, ça dépend pas que de lui, quoi. Voilà. Donc, mais
Voilà. Après, moi, comme les autres, hein, je lui souhaite effectivement le meilleur aussi. J'espère qu'il trouvera sa voie au Milan, même si je pense que ça risque peut-être d'être un peu compliqué pour lui au départ. Mais en tout cas, qu'il fasse une bonne saison avec nous, qu'il reste, qu'il nous permette de nous en sortir surtout, même si, encore une fois, je dis que ça ne dépend pas que de lui. Philippe, une saison réussie, une dernière saison réussie pour aller au Girondin, c'est quoi d'après toi ? La coupe. Ouais. Non, mais je rejoins Thibaut, c'est-à-dire qu'on le juge sur une forme de régularité dans un match déjà, qu'il arrive à faire des matchs pleins sur 90 minutes, et puis après d'enchaîner ces matchs-là, encore une fois, dans sa volonté et dans notre volonté de le voir grandir. Je pense que déjà ça sera une belle évolution dans sa carrière d'ici le mois de juin avant son futur envol chez j'allais dire nos amis milanais, mais je sais plus si on est toujours amis depuis 96, je suis pas sûr. C'est on n'a pas de bonne relation avec Parme, je crois. Il me semble, c'est ça. Les supporters de Parme. Avec Parme, ouais. Pourtant qui nous en a qui nous en a mis une belle aussi. Un 6-1, si je me souviens bien. Et puis il y a le transfert Boukouf aussi, qu'ils n'ont pas trop aimé Milan. Ah, peut-être. Ils avaient mis une option d'achat Rikiki, ils s'en bouffer les doigts. Il y a un dernier mot à rajouter sur Yacine Adli, ou on a fait le tour ? C'est bon. On a fait le tour. Allez, c'est bon pour Yacine Adli. Il n'en a pas trop pris pour son grade, hein, je pense. Hein. On a été assez. Non, on l'aime bien. Non, mais on l'aime bien, exactement, et comme on l'a dit. Hein. On n'a pas parlé de Rémi Houdin non plus. Ouais, non. Je ne sais pas, j'ai vu que c'était effectivement quelque chose de suggéré dans le chat. Bon, je dois vous avouer que voilà, on n'a pas envie de déprimer. En parlant de choses positives. Voilà, non, mais bon, soyons pas trop méchants quand même avec Rémi Houdin, même si on a envie quand même de le secouer un petit peu de temps en temps. Je dirais. Bon. Je ne sais pas si ça serait lui rendre service de le secouer, hein, quand même. Je ne sais pas. Mais écoutez, en tout cas, non, pas de focus Rémi Houdin, mais je pense que c'était très intéressant de faire ce focus sur Yacine Adli, et on espère qu'il va nous sortir un gros match, justement, ce samedi soir, parce que le prochain match, forcément, c'est pas rien pour lui, hein, c'est contre son ancien club, et on en parle tout de suite. Dernière partie de cette émission, messieurs, dames, il est 21h20, on est à l'heure, j'ai l'impression, là. Je ne sais pas si c'est le changement, leur passage à l'heure d'hiver, Patrick, Thibaut, qui généralement, en fait, ils contribuent au fait que cette émission dure 2h30, généralement. Oh ben... On était assez succincts. On n'a pas beaucoup parlé des filles, je trouve. Moi, d'habitude, on fait une heure sur les filles. Mais il y a quand même un gros, voilà, il y avait quand même deux gros sujets également en plus avec Yacine Adli, et maintenant le match de samedi soir contre le Paris Saint-Germain, avec une information qui est tombée, du coup, on le disait en début d'émission, c'est l'absence de Kimpembe, qui d'ailleurs est forfait pour le rassemblement avec les Bleus, qui est remplacé par Clément Langlais. Bah, c'est surprenant d'ailleurs, on va pas forcément rebondir sur la sélection. Par contre, on salue bien sûr la sélection de Benoît Costil. D'ailleurs, numéro 2 ou numéro 3, Costil, pour ce rassemblement ? Numéro 2, on est d'accord. Hein. Areola, il n'est pas numéro 2, là, quand même. Hein. Je crois qu'il ne joue pas Areola, de toute façon. Donc, Il a rejoué deux matchs. Il a rejoué, d'accord. À West Ham, me semble, si mes souvenirs sont bons. Et juste avant de repartir sur Bordeaux-PSG, hein, je rappelle, pour les sociaux qu'on remercie, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sociaux, que vous voulez contribuer justement financièrement à aider Web Girondin TD, vous pouvez retrouver justement un lien, notamment dans la description de cette vidéo, pour contribuer une fois par mois à hauteur de 2, 4 euros ou 6 euros sans engagement à Web Girondin TD, pour qu'on puisse continuer à vous proposer des contenus comme c'est le cas aujourd'hui. Le repas des sociaux, du coup, toutes les infos sur la page Tipeee, pensez à faire votre réservation avant le 13 novembre. Voilà, le message est passé. Nico qui m'a dit, surtout, n'oublie pas de dire ça. Donc, Bordeaux-PSG, tiens, petit clin d'œil quand même. La saga Messi, hein, elle continue. Hein. Qui, Patrick, toi, tu es du genre à aller au stade parce qu'il y a Léo Messi. T'es un peu comme ça, toi, non ?
Alors moi je suis abonné, donc tu vois, déjà je me suis pas emmerdé pour trouver une place, parce que je suis abonné. C'est-à-dire que moi, mon abonnement, c'est le prix que certains ont payé pour aller voir un match des Girondins. Et encore, c'est gentil, hein. Voilà. Donc bon, bref. J'ai une question, Patrick. Ouais. Est-ce que tu fais partie de ces abonnés qui se sont abonnés uniquement pour pouvoir avoir une place pour le PSG? Non, ben, je suis à tous les matchs. Thibaut, je suis abonné. Je vais à Saint-Germain. Voir non, les... mais je sais. Va revendre sa place, là, justement. Non, après, la question au sens large du terme, est-ce que je suis prêt à acheter une place pour aller voir des grands joueurs, quel que soit leur club? Oui, bien sûr. Est-ce que je suis prêt à saigner mon portefeuille pour aller voir Léo Messi? Non. À 300 ou 400 balles la place, il fallait mieux qu'il se fasse un week-end à Barcelone, les mecs. Hein. Ils auraient été le voir, ils auraient acheté une place au Camp Nou, et en plus, ils auraient pu faire des tapas et la fiesta à Barcelone. Donc ça, c'est ridicule. Par contre, l'initiative du club de mettre 10 places par abonné, j'ai trouvé excellente. Puisqu'au moins, c'est les fidèles qui ont pu en profiter. Perso, j'en ai acheté zéro parce que j'avais personne de mon entourage qui était sûr de venir. Donc, plutôt que d'essayer de les revendre et d'essayer, enfin, faire ou pas du bénéfice, je m'en fous, mais voilà. Donc oui, après, payer pour aller voir Léo Messi, ouais. Après, il n'est pas là, honnêtement. En fait, la seule chose, je serais presque content qu'il ne soit pas là. Pour tous ceux qui ont acheté une place pour ça, c'est bien fait pour leur gueule. Par contre, je serais un peu déçu parce que mon fils qui a 10 ans, bah forcément, il a raison, il a envie de voir jouer Léo Messi. Donc, c'est la seule chose qui fera que je serai déçu si il n'est même pas sur le banc. Je pense honnêtement qu'on aura un petit peu le droit à du chambrage hein, quand même, du virage sud. Il y a des chances si Messi est absent et c'est bien parti pour être le cas a priori. Hein. Peu de chances qu'il soit présent. Il était à Madrid aujourd'hui, dans une clinique pour se faire des injections de je ne sais quoi. De plaquettes ou je sais pas quoi. Bon. J'ai vu ça tout à l'heure. Ça sent pas bon du tout. Mais il est convoqué avec l'Argentine. Oui. Il est un peu convoqué avec l'Argentine. Étonnant pour le coup. Mais voilà, on a une pensée pour tous les amateurs de football qui ont réservé leur billet pour aller voir les Girondins, qui sont pas forcément les grands supporters des Girondins, mais uniquement pour voir Messi. Allez, petit chambrage. Mais on espère quand même qu'ils seront au stade pour supporter les Girondins à cette occasion. Et qui ne vont pas revendre du coup leur place derrière. Bon, allez, tu vas voir devant le stade, il va y avoir 200 tickets à vendre, à prix bradé. On va parler de football quand même. Du coup, parce que c'est un gros match. Parce que j'ai envie de vous dire que ce PSG, moi, je pense qu'il est chatouillable. Hein, on l'a vu hier, même si bien sûr, on n'a pas les mêmes armes que la psyche. J'ai envie de commencer également avec la question suivante. Et on va se retourner vers le coach Philippe Etchimendi. Est-ce que Petkovic a trouvé son 11 déjà, hein, tout en sachant qu'il y a retour d'Onana, d'Otavio, attends un petit peu. Ou est-ce que le match contre le PSG est si spécial qu'il faut revenir sur une organisation différente, Philippe? C'est pas du tout. Bien, mais là, au contraire, elle me met en difficulté, c'est qu'elle est très très bonne. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, face à cette équipe-là, qui est quand même très 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 particulière. Moi, j'ai encore regardé l'équipe jouer hier. Il se passe rien. Et puis à un moment donné, ils ont des avions de chasse qui font qu'à eux tout seuls, ils peuvent faire gagner un match. Et je dis paradoxalement, ça peut être une des équipes les plus dangereuses parce qu'à un moment donné, on voit hier Leipzig qui doit à un moment donné mener 2-3-0 et qui finalement se retrouve mené à la mi-temps sans rien comprendre sur un mec Wijnaldum qui joue plus depuis le début de saison et qui là te sera doublé quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un tel amoncellement de joueurs de talent qu'individuellement ils peuvent faire la différence. Mais malgré tout, moi je trouve qu'il doit se passer des choses dans ce club et dans cette équipe. Parce qu'on sent vraiment plus rien que. Alors vous parliez tout à l'heure des leaders à Bordeaux. J'ai regardé encore hier. À part Marquinhos et Mbappé, mais qui est le leader technique qui tient le club à bout de bras depuis quand même très 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 longtemps. Et c'est pas pour rien qu'ils ont pas voulu le lâcher cet été. Moi j'ai l'impression que c'est une équipe. Si tu leur rentres dedans, à un moment donné, t'as l'impression que ça peut exploser. Mais le bazar, c'est qu'aujourd'hui, pour leur entrer dedans, il faut que Petkovic fasse certains choix d'organisation et certains choix techniques. Et tu peux te prendre la foudre derrière, parce que si tu leur entres dedans, et si tu t'oublies un peu et que tu laisses un peu de trou, ça peut aller très, 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 très vite, quoi. Donc,
Moi, est-ce qu'il a trouvé son 11? Non, mais vu comment il fonctionne depuis le début de saison, et j'aurais tendance à le rejoindre dans ce fonctionnement-là, aujourd'hui, il y a une équipe qui a remonté 2 buts en 20 minutes, qui n'a aucune certitude, sauf celle de la confiance accumulée pendant ce temps-là et avec ces 3 points-là. Est-ce qu'il faut la reconduire dans l'intégralité? Je sais pas. Mais en tout cas, sur la base des joueurs qui nous ont permis dimanche de gratter ces 3 points-là, je pense qu'il doit s'appuyer dessus. Après, maintenant, Koscielny revient, Otavio revient, que faire de Briand? J'avoue que, je pense qu'on en a, de toute façon, retrouvera une place parce que les défaillances, elles sont là et qu'il y aura besoin de lui. Mais c'est à la fois compliqué et je trouve que pour un coach, c'est un des matchs les plus intéressants à jouer parce que on attendait tellement ce déclic de la victoire à la maison que finalement, ça s'est fait. Voilà, ce déclic-là, il est passé. Aujourd'hui se présente un adversaire un peu hors norme, mais si tu creuses un peu dedans, tu t'aperçois que il y a quand même de sacrées failles collectives dans cette équipe. Maintenant, peut-être qu'on va ressortir ce que je viens de dire là et qu'on aura pris 5-0 parce qu'à un moment donné, les avions de chasse auront décidé de te mettre une Lulu de 25 mètres et que là-dessus, tu peux pas y faire grand-chose. Mais malgré tout, moi, je me dis qu'il y a quelque chose à faire, notamment dans l'entame de match. Voilà, j'aimerais bien repartir sur ce schéma de fin de match. Ou peut-être pas partir avec 2 attaquants comme ça, mais c'est sûr que l'activité de Wang va nous manquer sur ce match-là. Mais voilà, moi je trouve que 2-6 comme on a pu voir, et puis des latéraux qui s'engagent, quitte à laisser ouvert un peu, mais avec un peu plus de stabilité défensive, en gardant Lacou par exemple, qui reste un petit peu plus bas. Voilà, je sais pas, il fera ses choix, mais je trouve que le match tombe au bon moment, sachant que derrière il y a aussi une trêve internationale pour peut-être digérer éventuellement un match difficile. Donc voilà, pourquoi pas, même si sur le papier, je répète, il n'y a pas un joueur de Bordeaux aujourd'hui qui serait même un remplaçant quasiment au PSG. Donc encore une fois, la force collective et les peu de certitudes qu'on a d'avoir enfin vaincu le signe indien de Galice, je dis plus le Matmut pour pas me faire engueuler, mais de Galice va faire que peut-être que sur cet élan-là, au moins en début de match, les joueurs vont essayer, tenter quelque chose et peut-être essayer de bousculer cette équipe et se mettre tout le public derrière eux. Tiens, Thibaut, on continue un petit peu du coup sur l'aspect tactique, ou du moins sur le 11 titulaire. On a, donc Philippe le soulignait, le retour d'Onana, le retour d'Otavio, et forcément, il y a cette question au niveau du milieu de terrain qui va venir se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que par exemple, tu serais plutôt du genre à titulariser un Lacou parce qu'il a apporté certaines satisfactions, ou est-ce qu'on remet un Otavio place à l'expérience dans ce type de match? Comment tu vois justement le milieu de terrain de ton côté? Moi, je resterai dans la même lignée que ce que vient de dire Philippe, à savoir reconduire un 11 qui a donné, on va dire, enfin qui reste dans la dynamique positive de Reims. Après, c'est vrai qu'il y a des choix qui vont s'imposer à l'entraîneur, mais plus que des choix, je pense que c'est un état d'esprit aussi, parce que on présente souvent le Paris Saint-Germain en se disant de toute façon on a coché, on a zéro, on sait qu'on prendra aucun point, donc voilà, on l'a déjà vu hein, ça plusieurs fois les saisons passées où dès qu'on jouait le PSG, on rentrait déjà comme on était battu. Moi, je prendrais l'exemple de Rennes. Rennes-PSG, victoire 2-0 de Rennes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils leur ont marché dessus. Voilà. C'est pas une équipe non plus extraordinaire, Rennes. Hein. Ils n'ont pas des joueurs de classe mondiale. Donc je pense que si on est capable, c'est difficile hein, en parlant de Bordeaux quand même comme ça, mais si on est capable de mettre de l'impact, si on est capable de ne pas les regarder jouer, c'est une équipe qui doute, le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui n'est pas encore... qui ne donne pas, on va dire, pleinement satisfaction, qui n'est pas dans son rendement maximum. Donc, je pense qu'on peut, elle est friable cette équipe. C'est un peu gonflé de dire ça quand on est supporter de Bordeaux, mais toujours est-il que elle est pas aussi flamboyante qu'elle a été par le passé. Et donc, je pense que Bordeaux, si on a la bonne approche mentale aussi par rapport à ce match-là. On pourrait faire un résultat. Donc, voilà, j'ai été surpris d'apprendre d'ailleurs que Jimmy Briand a été
titulaire dans la mise en place tactique. On va en parler dans quelques instants. Tu vois, tu, ah bah, tu as l'œil. Et non, fort Barluc, la boîte verte ne va pas tomber chez moi. Ouais, lui aussi, il a l'œil. Hein, il regarde attentivement. Mais elle est, elle est très, très bien placée. Tout est équilibré, pas comme le 11 de Petkovic. Il y a toujours un fil rouge dans une émission. Et là, c'est la boîte verte chez Thibaut. Voilà. Patrick, du coup, également question justement sur cette approche face au PSG. Est-ce qu'on doit reconduire une équipe similaire au match de Reims, dans une organisation similaire, ou est-ce que le match contre le PSG est si spécial qu'il faut revoir justement cette organisation? Et qu'est-ce que tu fais également du retour de ces deux milieux de terrain, Onana et Otavio? Après, ça dépend de quel 11 on parle. Si c'est le 11 qui a démarré face à Reims, non. Oui. Non, alors non, clairement pas, absolument pas, et surtout pas même. Donc, tout le monde sait de qui je parle, et je ne veux plus le voir ni titulaire ni remplaçant d'ailleurs. Donc, Rémi Houdin, surtout pas. Et après, il y a un seul retour qui pour moi. T'es houdinophobe. Ouais, je suis houdinophobe. Mais non, après, Onana doit récupérer une place dans ce milieu de terrain, c'est obligatoire. Moi, perso, je laisserai Tom Lacou parce qu'après tout, c'est aussi ce genre de match qui va lui faire prendre de l'expérience. Et comme l'a dit Thibaut, c'est des matchs sur lesquels, finalement, on ne compte pas en termes de points. Donc, si on compte sur rien, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, profitons-en pour faire jouer ces mecs-là qui ont envie, dont on sera sûr de l'état d'esprit, dont on sera sûr qu'ils vont tout donner. Donc, moi, voilà, je mettrai Tom Lacou. Après, au-delà même du 11 et de comment jouer, qui va jouer, est-ce qu'on met Kalou, est-ce qu'on met pas Kalou, est-ce qu'on met Brillant, est-ce qu'on met pas Brillant, est-ce qu'on met Mara, est-ce que... c'est l'état d'esprit qui va être important. Bon, l'état d'esprit, Patrick, on peut pas le remettre en cause. Enfin, on peut pas se poser ces questions-là. Match du PSG, on attend forcément que les joueurs seront motivés à 150%. Ouais, mais t'as des joueurs qui ont battu. Hein. Ouais, non, mais moi, je veux bien. Mais enfin, l'année dernière, on avait joué un tout petit PSG à qui il manquait quasiment tout le monde. Et on avait fait un tout petit match. Et on avait perdu 1-0. On était presque contents parce qu'on avait. On n'avait pas le même coach. Ouais, non, mais ça fait quand même quelques années que ça dure. Je crois que la dernière victoire, c'était avec les Kizotelline et compagnie. Donc, on avait fait un beau match nul avec un but de Cornelius, là, le 2-2. Je ne sais plus quel est. Bah, c'était il y a 3 ans. Jimmy Briand d'ailleurs avait marqué un but et on avait vu une équipe entreprenante. Moi en fait c'est ça que j'ai envie de voir, quitte à sortir avec une tôle sur ce match là j'ai envie de voir une équipe active sur le terrain, j'ai envie de voir une équipe qui prend des initiatives, qui tente des choses, qui va sûrement se ramasser avec des contres, parce que s'ils nous font jouer Mbappé, Neymar et compagnie, c'est évident qu'on va avoir des trous d'air, c'est évident qu'on va se faire planter. Mais à la limite je m'en fous. Moi, sur ce match là ce que je veux, c'est de l'état d'esprit. Voilà, je veux une équipe entreprenante, je veux pas une équipe qui fasse n'importe quoi. J'ai pas envie qu'on joue un Oura football à aller s'exposer bêtement au PSG. Mais j'ai en tout cas envie de voir 11 bonhommes qui regardent le PSG dans les yeux et qui leur disent les gars, vous êtes aujourd'hui sur le terrain comme nous, et ben on va tout donner. Donc si vous voulez gagner, il va falloir venir les chercher les 3 points. On va pas vous les donner. Et si à la fin on en a pris 4 et que moi j'ai vu une équipe qui a tout donné et qui a fait ce qu'il fallait, ben je rentrerai chez moi en me disant on est tombé sur beaucoup plus fort que nous et c'est comme ça, on joue pas dans la même cour et c'est pas grave parce qu'au moins j'ai vu mon équipe et j'en suis fier. J'ai pas envie de perdre 1-0 et me dire ah ben on a bétonné tout le match, on n'a pas eu un tir comme on l'a vu parfois l'année dernière où il se passait rien et à la fin on disait ouais mais on a presque pas perdu, ouais on a presque pas de points non plus. Donc voilà, moi je veux en tout cas je veux cet état d'esprit là et je pense que certains joueurs sont pas capables de nous le montrer. Houdin, je l'ai déjà dit, Franck Sergio, je le redis. Je pense qu'Otavio n'est pas dans ce style de joueur-là capable de se transcender pour aller arracher tous les ballons, alors qu'un Tom Lacou, j'ai plus confiance en lui là-dessus. Donc voilà, après, en défense, c'est là où on va être embêté. Parce que est-ce qu'il faut mettre Medioub, par exemple? Est-ce que Koscielny sera remis de sa maladie? Il s'est entraîné sans problème cette semaine, c'est ce qui a été souligné en conférence de presse aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de petites choses, mais c'est surtout une équipe active, une équipe qui ne soit pas spectatrice de ce match. Est-ce que vous avez la dernière victoire de Bordeaux face au Paris Saint-Germain? Eh bien, c'était 2015-2016, non, c'est ça, ou 2014-2015, c'est ce que disait Patrick avec les Chantos, le 11 de départ faisait rêver. Hein, du côté avec Wabi Kazri, buteur, et Diego Rolan aussi. Et une paire de récupérateurs, Chantôme Yambéré. Ouais,
Ouais, oui, effectivement. Yamberé, il devait te plaire aussi, Philippe. Atypique pour le coup, hein. Il est passé de Lormont aux Girondins très rapidement. Tout joueur ayant marqué contre Marseille gardera toujours une place dans mon estime. C'est sûr. Il a marqué, c'était en finale de la Coupe de la Ligue quand on perd également, il me semble. Ouais. Ouais. Ce que tu retiens du coup, Patrick, c'est effectivement l'état d'esprit, tu le soulignais. Alors, bon, j'ai quand même envie de reparler de celui qui a fait l'actualité cette semaine avec cette rencontre avec le supporter. Alors, la vidéo, franchement, est géniale. Hein. Tu en parlais tout à l'heure, Patrick, aussi de l'initiative des tickets, mais il y a aussi cette initiative de faire venir les deux jeunes supporters au Hayan cette semaine. Je trouve que c'est super. Et je me suis repassé en boucle hein, quand même cette vidéo. Il est génial. C'est génial, c'est super. C'était super. Et pour le coup, il a eu droit à un maillot de Jimmy Briand. Et j'ai quand même du coup envie de parler de Jimmy Briand. Parce que on a Wang qui est absent. Quel attaquant de pointe face au PSG. Franchement, hein, il y a deux semaines, même avant le week-end dernier, j'aurais jamais imaginé vous dire ça. Mais est-ce que du coup Briand a encore son mot à dire, Philippe? Est-ce que Briand peut être une solution justement face au PSG parce que Briand a de l'expérience, parce qu'il peut-être avoir un petit peu plus de vis qu'un Sekou Mara qui est un petit peu inexpérimenté peut-être pour débuter contre le PSG. Comment est-ce que tu vois justement ce choix pour Petkovic ce samedi au niveau de l'attaquant de pointe? Ouais, mais comme je t'ai dit, moi, t'es obligé de capitaliser sur les joueurs qui ont été arrachés ces trois points-là. Après, je vais pas me cacher, moi, j'ai jamais été un grand fan de Jimmy. J'étais très content, hein, et j'étais content qu'il mette son péno et tout, mais je suis pas le plus grand fan de ce joueur. Je relativise quand même sa performance de dimanche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est sur des phases arrêtées qu'il fait son job Jimmy, mais quand il faut courir, on s'aperçoit que c'est vite compliqué. Alors après, oui, dès que tu mets un but, deux buts, tiens, tu retrouves un peu tes jambes, mais ça dure 10 minutes parce qu'il reste que 10 minutes dans le match, quoi. Moi, je verrais quand même très compliqué. Alors, est-ce qu'on joue à deux attaquants? J'y crois pas, mais je trouverais très très compliqué par rapport au reste de l'effectif que Briand aujourd'hui passe devant Mara, voire même devant Ellis. Même si pour moi, il va vouloir quand même capitaliser un peu sur la paire Ellis-Pembélé, je pense. Vu leur fin de match de la semaine dernière. Mais je trouverais que le message, ça serait pas très très opportun, surtout dans un match où normalement l'attaquant ne doit pas toucher 50 000 ballons, dans un match aussi où tu risques d'allonger un petit peu plus et où le jeu de tête de Mara peut être utile de temps en temps pour t'apporter du danger sur du jeu long. Donc sincèrement perso, j'espère pas. Si Jimmy a envie de nous faire gagner le match contre le PSG, évidemment, je serai le premier non pas à retourner ma veste, mais à être content. Mais aujourd'hui, il faut quand même montrer la limite. C'est un peu comme le côté coaching de Petkovic. Ouais, j'ai dit, à un moment donné, il fait des choix. Sauf qu'encore une fois, c'est les circonstances là qui font que il se sert bien du joueur par rapport à ce qu'il peut apporter aujourd'hui. C'est sûr que ça peut paraître bizarre, mais moi, à la 92e, quand il a posé le ballon, j'étais sûr à 99% qu'il allait mettre le péno. Par contre, si tu mènes 1-0 et qu'il faut faire des courses et que tu allonges un peu pour faire remonter ton bloc, là, tu te dis, aujourd'hui, Jimmy, quand même, c'est compliqué dans ce rôle-là. Donc, moi, sincèrement, si on joue à... S'il repart sur son 4-3-3, parce que je le vois reconduire un milieu à 3 quand même contre le PSG, moi, Ellis, Dil Roussoun et Mara, ça me plairait bien. Tout le monde va me dire que Mara est nul. Ouais, mais Mara a 19 ans, j'aimerais bien faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et à choisir entre, en attendant que Niang soit prêt en tout cas, à choisir entre Mara et Briand, je préfère voir le futur plutôt qu'un one-shot qui a marché une fois et qui sera compliqué, à mon sens, à reproduire. Ok. Des oppositions tout à fait légitimes, c'est très argumenté pour le coup, donc Thibaut qui applaudit, Patrick et Thibaut, du coup je vous sollicite forcément sur cette ligne d'attaque. A priori on aura un seul attaquant, mais du moins avec deux ailiers effectivement, qui seront Ellis probablement sur la droite et Dil Roussoun à gauche. Toi aussi du coup Thibaut, tu partirais sur ce choix Sekou Mara devant? Oui, je pense. Alors après il se murmure aussi que Niang a fait une semaine d'entraînement complète. Ouais, ça les a entendus aussi.
Mais pour débuter, donc, est-ce que ça sera suffisant Voilà, est-ce que ça sera suffisant pour le lancer dans un match comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que oui, c'est Kumara est un choix intéressant. C'est un joueur qui a des qualités aussi. Certes, il est jeune. On peut dire effectivement ce qu'on veut sur ses Kumara. Chacun se fera son opinion. Mais en tout cas, pour moi, il est devant Jimmy Briand. D'ailleurs, je pense que dans l'esprit de Petkovic aussi, enfin j'espère en tout cas. Peu importe, j'ai envie de dire qui sera devant. Le problème, c'est que, comme l'a dit Philippe, celui qui sera devant aura très peu de ballons à se mettre sous la dent, aura un rôle peut-être un peu ingrat aussi, à savoir exploiter les moindres petites miettes de ballons qu'on aura. Donc il va falloir se montrer efficace et surtout vif, voilà, parce que je le répète, hein, moi, cette équipe du Paris Saint-Germain me fait beaucoup moins peur qu'avant. Patrick, tu veux rebondir un petit peu aussi sur ce qui a été dit et par Philippe et par Thibaut. Tu soulignais que Niang pouvait peut-être prétendre un peu plus, mais ça risque quand même d'être un peu juste, non? Toi, tu penses que non? Je me demande si on va pas voir Aubameyang pendant une heure. Parce que, c'est-à-dire, avec l'entraîneur de l'année dernière, je t'aurais dit on va voir Aubameyang parce qu'on va balancer des ballons, on va espérer qu'il les garde et on va essayer de faire avancer notre bloc avec des longs ballons. Cette année, j'ai l'impression quand même que c'est pas trop le choix de Petkovic de balancer n'importe comment, sauf à la fin contre Reims, mais ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Je ne pense pas que Jimmy Briand, en tout cas, si je me dis il y aura Marquinhos et peut-être Diallo, peut-être Kerrer, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais Jimmy Briand face à Marquinhos, quand même, sur 60-70 minutes, ça me paraît compliqué. Là où un Sekou Mara me paraît tellement frais, tellement imprévisible, que peut-être ce genre de joueur peut faire un peu plus de mal à une défense parisienne bien rodée. Donc, voilà, si, un choix par défaut, un choix, ce serait Sekou Mara que je mettrais aujourd'hui, bien accompagné. Mbagnang, s'il est prêt, peut nous faire du bien sur ce genre de match, mais il faut qu'il soit prêt. Et là, il n'y a que Petkovic qui a la réponse. Et Jimmy Briand, à 20 minutes de la fin, comme il a fait contre Reims, avec grand plaisir, quoi, parce que je sais que le mec va courir, je sais que le mec va avoir l'intelligence des déplacements, je sais que s'il y a une occasion, il y a quand même des chances pour qu'elle soit au fond parce qu'il a cette adresse devant le but. Donc voilà, mais Jimmy Briand titulaire, je vais rejoindre Philippe et Thibault. Si c'est le cas et qu'il met un triplé et qu'il nous fait gagner le match 3-0 ou même 3-2, vendu, hein. Jimmy, il peut être titulaire à tous les matchs. Mais je pense que c'est préférable de le garder sur les 20 dernières minutes. Super. Bon, messieurs, forcément, dernière question, et en apportant un peu de contexte, hein, ce que je disais, hein, je sens aussi que le PSG est quand même friable, chatouillable, avec quelques absences. Effectivement, je suis plutôt d'accord aussi sur le fait que le début de match va être capital. Peut-être moins motivé, hein, aussi par le championnat, hein, le PSG, avec quelques points d'avance en plus de ça, et 72 heures après un match contre Leipzig, même s'ils ont derrière forcément un banc qui est là et des joueurs qui ont une capacité physique bien différente de la nôtre. Mais sur un pronostic avec tous ces éléments, du coup, Philippe, comment tu vois du coup le résultat final? Est-ce que un petit élan d'optimisme pour cette histoire? Alors, pas d'optimisme parce que ça serait quand même prétentieux face à cet adversaire-là, mais je sais pas pourquoi. Je me dis, s'il y a quelque chose à faire contre cette équipe-là, c'est peut-être le moment. Voilà. Je répète, hein, sachant que, alors j'aime pas trop l'expression, c'est eux qui ont les clés, c'est eux qui vont décider du sort du match, parce que c'est pas vrai. À un moment donné aussi, on peut très bien être proactif et aller les déranger sur des choses qu'ils aiment pas. Voilà, on le voit bien hier, et quand tu vas les chercher, ils aiment pas ça. Aujourd'hui, ils ont pas Verratti ou Paredes pour sortir les ballons. Donc à un moment donné, si tu les obliges un peu, soit à prendre des risques, soit à balancer un petit peu plus. Alors il faut pas que ça tombe dans les zones de notamment d'Mbappé, parce que si t'es pris par-dessus, c'est mort. Mais je me dis que voilà, au moins pourquoi pas sur l'entame de match, sur la première mi-temps, aller
aller un peu les chercher, aller les embêter. Et on sent que c'est une équipe qui pourrait, pourquoi pas dérailler, pourquoi pas un mauvais geste d'énervement sur une bêtise. Moi, là, par exemple, je vais faire un côté match. Je sens qu'il y a un gardien du PSG qui va vite faire une boulette. Hier, j'ai vu Donnarumma, à un moment donné, qui se chauffe un peu avec ses pieds. Voilà, sur un truc d'escroc, quoi, qu'on aille chercher un peu. Et puis, tu vois, le gardien qui se fait contrer, tu mènes un zéro. Et puis, tout le... 13e, un truc comme ça. Ouais, celui-là, j'y crois plus trop, là. Je pense que là, la VAR, elle va regarder 25 fois, quand même, contre le PSG. Mais sur ce genre de scénario, mais juste pour conclure, je serai comme Patrick. Au-delà du résultat, ce que vraiment on va juger, c'est l'attitude, et est-ce qu'ils auront vraiment capitalisé sur ce déclic, non pas de la qualité du match contre Reims, je suis pas fou furieux de dire ça, mais en tout cas sur le résultat. Et je pense qu'il y avait vraiment un problème psychologique sur ces approches de match à la maison. Voilà, j'espère que ce petit déclic va faire que enfin, au moins pendant 25-30 minutes, ils vont aller les embêter. Et puis après, ben si ça dure 90, tant mieux, et qu'on gratte des points contre le PSG, ben ça sera du gros bénéfice, surtout dans notre situation comptable. Patrick, est-ce que tu es aussi optimiste que Gérard sur le chat qui dit 2-1 pour Bordeaux ? Ouais, ben je vais faire le même pronostic que Gérard, moi. En étant très optimiste, parce qu'évidemment, si on doit prendre un côté factuel, Philippe l'a dit, il n'y a pas un de nos joueurs qui serait remplaçant au PSG. Mais peut-être que ce match tombe au meilleur des moments. Après, non, il ne serait pas titulaire au PSG non plus, mais... même pas remplaçant. Voilà, je me dis, ils viennent de jouer en Ligue des Champions avec des petites tensions. Il y a peut-être des joueurs qui ont déjà la tête à la sélection, qui veulent pas trop se blesser pour pouvoir aller jouer. Des joueurs qui vont faire un long voyage. Enfin, bon, voilà, c'est peut-être le bon moment pour les prendre. Mais par contre, il faudra leur montrer que c'est dans l'attitude, quoi, qu'il va falloir leur montrer qu'on veut aller chercher, et que s'ils veulent des points, il va falloir qu'ils viennent nous chercher et qu'ils viennent nous taper. Bordeaux a toujours été normalement une forteresse imprenable pour toutes les équipes qui venaient. Tout le monde savait que ça allait être chiant, c'est moins le cas ces dernières années, mais il faut qu'on le redevienne. Il faut que même le grand PSG se dise, comme quand ils vont à Rennes maintenant, il faut qu'ils se disent on va se faire chier à aller à Bordeaux, et ils vont nous casser les pieds, et ils ont, voilà, donc... J'ai envie de te dire qu'il y a des joueurs du PSG qui se disent ça, très certainement, mais dans un autre état d'esprit. Ouais, mais voilà, mais peut-être pas pour la même raison, mais j'espère voir un bon match, en tout cas, et voilà. Thibaut, pour refermer cette page prono. Ouais, moi c'est pareil, hein, j'attends, en fait, ce que j'attends, c'est plus, évidemment, le résultat importe, mais c'est plus dans l'état d'esprit. J'ai pas envie de voir arriver 11 joueurs la tête baissée, déjà en victime, et venir en victime expiatoire du Paris Saint-Germain. J'ai envie qu'on leur rentre dedans, quoi. Pour le coup, Thibaut, là, pour faire justement écho à ce que tu dis, on a un coach qui était dans cette configuration là justement pendant l'Euro. Exactement. Quand il a affronté la France et son équipe, même si c'était une autre équipe, mais pareil, justement, la tête baissée. Donc, on peut attendre aussi quelque chose de la part de Petkovic dans ce type de rencontre. Peut-être, oui, une approche mentale un peu différente par rapport à ce que les joueurs connaissent. Je ne sais pas, je connais pas nécessairement les ressorts psychologiques que Petkovic utilise, mais en tout cas, c'est vrai que j'aimerais voir une équipe qui joue avec ses moyens. On sait qu'on n'est pas non plus... le Barça, ou qu'on n'est pas le Real Madrid, ou je sais pas quoi, mais qu'on a des qualités et qu'on peut les faire valoir face à une équipe du Paris Saint-Germain qui n'est pas aussi rayonnante qu'elle l'a été par le passé. Et j'appuierai même en disant que cette équipe est au bord de la crise de nerfs. Voilà. Moi, je l'ai vu le match contre Leipzig en fin de match. On a senti une équipe très tendue, beaucoup de cartons distribués. Des accrochages, des joueurs qui étaient pas forcément dans les bonnes dispositions, donc pourquoi pas. C'est aussi peut-être quelque chose sur lequel il faut appuyer, et qu'on aille embêter ce Paris Saint-Germain. Alors après, évidemment, les gars, vous mouillez quand même, vous avez un moment, je suis le seul à avoir donné un score. Non mais attends, j'allais y venir, si tu me laissais parler, gars, Patrick. On veut du concret, mouillez-vous là. Si tu me laissais parler, Patrick, au lieu de faire... Allez, Thibaut. Bien en commentaire. Coupez le micro.
Non, mais donc du coup, tu m'as perdu, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne vais pas vendre une victoire comme ça de Bordeaux 2-0 ou 3-0, j'en sais rien. Mais évidemment, pour moi, la réaliste, ça serait une victoire de Bordeaux si Victoria 1-0. Je pense que voilà. Mais je pense qu'on sera plutôt sur un match nul. Premier clean sheet cette saison. Ouais. Pourquoi pas? Allez. Costil peut nous sortir un match de fou. Koscielny peut se faire trois fois les croisés et puis continuer à jouer et sortir une balle à la 90e. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi transcender les joueurs. Ça peut les inhiber, mais ça peut aussi les transcender. Donc, moi, un match nul serait, à mon avis, le plus logique. Ok. Moi, je vois un résultat positif. Hein. J'ai du mal à me dire si c'est une victoire ou un match nul, mais je vois un résultat positif quand même pour les Girondins. Donc, écoutez, C'est des points, mais je suis normand d'ailleurs, Thibault. Oui, mais justement. Donc, allez, je peux me mouiller effectivement et je vais dire un 2-1. Je ne pense pas au clean sheet, mais je dis 2-1 pour les Girondins. Mais je pense que là encore, il y a quand même le supporter qui parle. Hein. C'est, bien sûr. On verra bien. En tout cas, on va suivre ça avec la plus grande des attentions ce samedi soir sur Canal Plus décalé, si je me souviens bien. Et pour ceux qui seront au stade, bon match à toutes et à tous. C'est la fin de cette émission. Juste de cette une petite chose, Antoine. Oui, Patrick, vas-y. Juste pour saluer l'initiative du club, les deux initiatives du club. Tu en as parlé un petit peu avec les deux jeunes qui ont été invités, là, oui. Qui étaient hystériques au bon sens du terme sur le but de Jimmy. Mais vraiment, c'était un régal de les voir et je trouve que l'initiative du club de les inviter, voir un entraînement, voir un maillot, échanger avec les joueurs et tout, c'est ça aussi qui va faire renouer les supporters avec leur équipe Fagnon. Et la deuxième initiative, c'est ce petit jeu qui a été lancé sur les réseaux pour trouver deux places donc au jardin public, visiblement, ou aux alentours. Je trouve que c'est une super initiative, que c'est quelque chose qui est visiblement, en plus, qui a réuni pas mal de supporters, et plutôt dans une bonne ambiance. Donc ça veut dire qu'aussi des gens qui ne se connaissent pas, qui supportent les Girondins, se retrouvent dans un lieu public, discutent des Girondins, en même temps cherchent un trésor, et ces places-là sont un petit trésor. Donc félicitations en plus à celui qui a gagné, parce qu'apparemment c'était pas facile. Et comme quoi, pour mettre du lien entre sa base de supporters et son club, il faut pas des gros budgets, puisque ça n'aura pas coûté grand-chose, et ça a été fait intelligemment. Donc il y a beaucoup de communication qui se fait aux Girondins, des choses positives, des choses négatives, et en tout cas, moi je voulais souligner quand c'est positif, parce que ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent, et que voilà, on tape régulièrement sur des choses qui ne vont pas, et là, il faut le dire aussi, parce que c'est top. Ouais. Attends, Patrick, tu es en train de dire que pour remplir un stade, il ne faut pas faire un truc bizarre avec un tableur Excel et des formules mathématiques et une licence avec marketing. On oublie ça. Excusez-moi. On dévie. Patrick a raison, effectivement. important de souligner aussi les bonnes initiatives du club qui essayent de renouer avec les jeunes supporters, avec les supporters de façon générale, et on espère qu'il y aura d'autres initiatives qui iront dans le même sens. Merci Philippe pour ta participation à cette émission. Merci à vous. Te souhaite également de bons résultats avec l'équipe de Biarritz au cours des prochaines semaines. Il y a un match ce week-end. Eh ben moi je joue samedi à 20h, donc je verrai pas le match de Paris en direct. Je vais garder le vibreur dans la poche au cas où, et je regarderai ça soit en rentrant en pleine nuit, soit le lendemain matin suivant le résultat. Bon, bonne chance en tout cas, Philippe. Merci Patrick, bon match du coup au stade si tu revends pas ta place d'ici là. Ouais, ouais, ce sera pas là. Et pour aller avec mon fils. Hein. Et Thibaut également, on te retrouve prochainement et on continue de suivre avec attention Scap Girondine aussi. Sur Twitter voilà, toute l'actualité continue bien sûr sur webgirondin.com. N'oubliez pas qu'il faut vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à la chaîne YouTube webgirondin, c'est gratuit, donc allez-y, ça nous donne beaucoup de force, d'encouragement, et même chose, un petit like pour cette vidéo si vous avez regardé cette émission et que vous l'appréciez en replay. On se retrouve probablement dans 2 semaines
Si ce n'est pas dans deux semaines, ça sera un autre jeudi soir très prochainement, courant du mois de novembre. Et on se quitte avec le générique des sociaux, comme d'habitude, qu'on remercie. Et n'oubliez pas les informations relatives au repas des sociaux avant le 13 novembre. Du coup, ça se passe sur la page Tipeee Web Girondins. Allez, salut, allez Bordeaux et à la prochaine. Ciao. Bonne soirée.